C'est le 9e webinar ensemble ce soir. 9e webinar parce que c'est la 9e semaine. 9e semaine. Alors, je voulais juste avant de commencer déjà remercier tous ceux qui sont là régulièrement, peut-être depuis la première semaine, depuis le début du confinement, bien évidemment. On voulait vous remercier tous, c'est-à-dire l'ensemble des participants qui étaient là jusqu'à présent. C'est franchement, on est vraiment très, très surpris, très émus aussi par les messages que vous nous envoyez, qui sont des messages de remerciement régulièrement et qui nous font vraiment super plaisir. Alors, c'est vrai qu'on on le fait avec le cœur, on le fait pour vous aider, on le fait parce qu'on a les moyens, on a le réseau pour pouvoir vous donner ces informations toutes les semaines, qui sont des informations qui vous aident, mais on est super surpris que ça vous booste autant et que ça vous permette de vous en sortir. Et franchement, merci, merci, merci du fond du cœur à tous de nous suivre, que ça soit en direct ou que ça soit en replay. Ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, j'ai des messages qui m'arrivent et j'en ai eu un dernièrement, c'est une coach qui nous suit depuis le tout début et qui m'envoie un message privé pour me dire « J'ai, sur le mois, rien qu'avec vos conseils, j'ai suivi vos conseils et j'ai fait plus de 3000 euros de recettes. » Et j'étais estomaqué. Je me suis dit « Mais c'est incroyable, quoi, c'est génial. » Ça veut dire que si on va tous dans le même sens, si on prend des petites informations à droite, à gauche, des conseils sans forcément tous les suivre, mais des conseils à droite, à gauche, vous avez la possibilité de pouvoir bien vous en sortir. Et ça, ça fait super plaisir parce que notre passion, nous, c'est notre secteur d'activité. Voilà, ce n'est pas que les clubs, ce n'est pas que les coachs, c'est tout le monde, en fait. C'est surtout ça. Alors, ce soir, je vous ai réservé un thème qui est vraiment un thème à part parce que j'avais envie de vous proposer quelqu'un qui allait vous éclairer sur un outil, sur un moyen de pouvoir sortir de cette situation qui peut être financièrement parfois un peu compliqué et surtout dans les semaines qui vont venir. Donc, l'idée, c'était de vous apporter peut-être cette fois-ci quelque chose de très précis qui vous permettrait de pouvoir vous dire assez facilement. Et j'ai donc invité ce soir Flavien Chauvin qui est à côté de moi et qui a une plateforme, qui a créé une plateforme qui s'appelle My Coach Company et qui est une plateforme, il va vous expliquer ça dans quelques instants, qui va peut-être vous permettre de trouver du travail, peut-être pour compenser les éventuelles pertes en club que vous aurez eues ou en clientèle et qui va vous permettre donc de pouvoir peut-être rebondir de façon plus facile. Alors, je vous présente Flavien, il est à côté de moi, je le laisse se présenter dans quelques instants. Flavien, je te remercie franchement de nous avoir, d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais nous présenter, te présenter toi et aussi la plateforme que tu as créée, s'il te plaît? Bien sûr. Merci, Christophe, de me donner la parole lors de ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Flavien Chauvin, j'ai 39 ans, je suis personal trainer depuis une dizaine d'années et je suis aussi le fondateur de My Coach Company. My Coach Company, c'est une plateforme de mise en relation pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a à peu près 450 coachs sur toute la France. Voilà, globalement, ce que je fais aujourd'hui. Ok, donc tu es propriétaire parce que tu as créé, hein, tu es le créateur, le fondateur d'une plateforme qui s'appelle My Coach Company. Est-ce que parce que dans cette, on va dire, dans notre secteur d'activité, il y a souvent et des plateformes et des agences de placement en coach. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu les deux, nous expliquer la différence entre les plateformes et les agences? Absolument. Donc, c'est bien que tu le précises. Il faut savoir que l'écosystème de la mise en relation de coach sportif et de particulier, elle existe sur deux formes, globalement, pour vulgariser un peu, pour simplifier un peu les choses. Vous avez des agences d'un côté, où là, c'est un système où vous avez un contrat de prestation avec la société qui vous emploie, même si c'est pas exactement ça, mais en tout cas, vous avez un contrat de prestation avec elle. C'est elle qui vous trouve des clients et elle vous prend une commission sur chaque heure travaillée. Par exemple, Just Coaching, vous avez Trainmi aussi qui fonctionne comme ça. Et la deuxième type de proposition que vous avez dans cet écosystème, c'est des plateformes où là, qui fonctionnent plutôt sur un système d'annuaire, en fait, où là, le client, il choisit son coach.
il va rentrer en contact avec vous, mais vous allez devoir reverser une, c'est pas vraiment une commission, mais c'est en tout cas une, soit un abonnement annuel, soit une sorte de forfait à la mise en relation. Donc là, ça va être votre client, contrairement à une agence où le client, c'est celui de l'agence. Donc voilà, les deux distinguos, c'est bien sur une plateforme, c'est une forme d'annuaire, sur une agence, c'est plus une entreprise. Vous avez des comptes à rendre à l'agence. Voilà. Vous signez une charte, vous devez la respecter. Ouais. Si je comprends bien, une agence, c'est plutôt comme une agence d'intérim pour placer des coachs. Exactement. C'est une simple plateforme. Et une plateforme, c'est plus comme un annuaire finalement où on choisirait alors selon les plateformes. Mais si je prends mon exemple, pour donner des cas concrets pour vraiment que ça soit clair pour tout le monde, quand un client va sur My Coach Company, il a deux possibilités où il choisit son coach directement, il rentre en contact avec lui. Moi, je vais recevoir une alerte, je vais rentrer en contact avec le coach, je vais lui dire, il y a un client qui souhaite rentrer en contact avec toi, tu as les coordonnées, si ça match, je te demande de me reverser un montant forfaitaire. C'est une heure de cours, c'est 69 € pour être vraiment très clair. Mais après, c'est ton client. Tu en fais ce que tu veux. Tu pratiques tes tarifs. Ce sont tes conditions. Ça devient ton client. Dans une agence, l'agence vous contacte. Elle vous dit, j'ai besoin de toi pour une mission. Vous allez chaque mois dire le nombre d'heures que vous avez fait. Et là, l'agence va vous rémunérer en fonction. Mais le client va payer l'agence. Il ne va pas vous payer vous. Donc, il y a une triangulaire qui se fait. Le client paye l'agence, l'agence vous paye vous. Et c'est pour ça que, bon, en termes de tarifs, vous aurez un tarifeur qui sera un peu moins élevé quand vous serez en agence que sur des plateformes. C'est vraiment la grande différence si on veut vraiment être donc, transparent. Ça veut dire que, par exemple, c'est un peu comme Uber. C'est-à-dire que les coachs sont géolocalisés en fonction de l'endroit où est le client et le client à tous les coachs qui apparaissent autour de chez lui, c'est alors, ça? Alors, selon les plateformes, hein, c'est un service spécifique que tu peux retrouver, aussi sur des plateformes, mais aussi sur des agences. Il y en a qui sont un peu bâtardes, on va dire, entre guillemets. Hein, donc, mais concrètement, oui, sur une plateforme, tu as une géolocalisation, le client rentre sa ville et ensuite… Il y a quelques coachs qui vont être contactés, entre 3 et 5. Ces coachs-là, ensuite, ils reviennent vers la plateforme pour savoir pour savoir exactement ce qu'il en est de la demande qui a été émise par le client. Alors qu'une agence, le client, lui, contacte l'agence et lui dit, voilà, je suis ici, j'habite telle ville, vous pouvez me trouver un coach. Donc, c'est vraiment différent. C'est vraiment deux, c'est comme tu disais, c'est un écosystème où tu as deux types de modèles économiques différents. Ouais. Absolument. Il y a un modèle, qui laisse, à mon sens, moi, tel que je l'ai vu, qui laisse le coach libre de fixer ses propres tarifs et qui permet aussi de continuer à valoriser le milieu. Parce que moi, je pense que ce qui est important, c'est que le coach puisse être rémunéré à sa juste valeur. Si on commence à chaque fois taillé dans le tarif horaire des coachs, parce que bon, il y a le tarif horaire que l'agence vous paye, mais souvent vous êtes en auto-entrepreneur. Donc vous avez les inconvénients du statut d'auto-entrepreneur, l'inconvénient du fait d'avoir cette structuration, hein, c'est quelqu'un qui vous met en relation. Donc au final, il ne reste pas énormément de choses, mais c'est un choix. Il y en a certains qui vont y trouver leur compte parce qu'ils démarrent, parce que. Voilà, mais moi j'ai fait le choix de me dire je veux que le coach il soit payé à sa juste valeur parce que moi-même je suis coach et quand j'ai commencé, j'ai été surpris de certaines sociétés, même qui existent encore maintenant, qui m'avaient proposé des tarifs hallucinants où on est limite, à un moment on est quand même très border. Après, ça c'est très personnel. Il y a un cours de Zumba Il y a un cours de Zumba juste à côté. Voilà. J'avais dit 21 h le cours de Zumba. Tout à fait. 21 h. C'est des cours en visio. Voilà. C'est mon ingénieur du son, là, il est pas au point. J'avais dit 21 h la musique. Right, excusez-moi. Ouais. Pas de problème. Ça, c'est génial. Comme quoi, on est bien en direct. Hein. Attends, dans 5 minutes, tu vas voir mes enfants passer.
Qu'est-ce qui t'a donné un jour comme ça l'envie de créer une plateforme? Pense que déjà, moi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Je pense que ça c'est certain. La deuxième chose, c'est aussi la force des choses, hein. Bon, en 2014, je crée un site internet perso. Je travaille à le faire bien référencer. Et puis, donc, j'apprends le référencement, tout ça en 2014, hein. Et puis, ce site arrive dans les top positions, pour te dire vraiment l'histoire de My Coach Company. Ce site arrive dans les top positions, dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine. Donc, je me retrouve avec un afflux de clients hallucinant. Et à l'époque, on n'était pas beaucoup, hein. On était trois coachs dans les Yvelines. Savoir c'était quoi le milieu du coaching avant, c'est qu'il n'y avait personne. On était trois à avoir un site internet, on se bagarrait pas, hein. On était submergés. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, bah voilà, on va créer une équipe, machin. Et puis là, je cherchais le bon format. Et puis après, voilà, je me suis dit, autant créer. C'était quelque chose aussi qui existait déjà. Il y avait Personal Sport Trainer, qui aujourd'hui est Pro Trainer, qui est vraiment dans les. Qui est vraiment très très haut, hein, qui fonctionne très très bien. Je me suis aussi inspiré de ce qu'il a fait avec un modèle économique différent. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai plutôt pas mal réussi avec My Coach Company. Ouais, c'est Ça, cool, c'est bravo. ouais, Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. surtout dans les Yvelines, parce que les Yvelines, comme tu as Saint-Germain-en-Laye, tu as pas mal de Ouais, beaux. entre autres. Ouais, Ouais. c'est assez étonnant de voir qu'avec que trois sites. On était trois. En 2014, on était trois. Trois à avoir un site vraiment où on y prêtait de l'attention. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on a vu la transformation. Et ça, c'est intéressant pour tous les coachs aussi de voir que dans ce milieu, c'est un milieu qui est très, très mobile. C'est un milieu où les choses bougent très, très vite. Moi, j'ai vu les plateformes arriver comme des rouleaux compresseurs. En 6 mois, le modèle avait changé. Il y avait plus très peu de coachs. D'ailleurs, vous verrez aujourd'hui que très peu de coachs premiers du classement sur des mots-clés. Alors qu'avant, c'était monnaie courante. Il n'y avait pas de plateforme. Il y avait encore Domicile Gym. Il y avait déjà Domicile Gym, mais leur modèle n'était pas basé sur le référencement. Donc vraiment, c'était un peu une jungle où tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Personne ne s'intéressait vraiment aux choses. Et en 2 ans, les choses, elles ont littéralement changé. On est arrivé avec des rouleaux compresseurs qui ont trusté les pôles position et qui vous propose aujourd'hui du coaching. Ça s'est passé comme ça. C'est que des personnes, tous les grands acteurs que vous avez aujourd'hui ont décidé à un moment de créer des plateformes ou des agences et ont trusté les pôles position. Ça leur permet aujourd'hui de vous proposer du coaching en quantité. Et si, par exemple, tu pouvais nous faire simplement un petit rapidement les avantages et les inconvénients d'être dans une agence et les avantages et les inconvénients d'être sur une plateforme en quelques. Bah, très concrètement, déjà, l'avantage, on va commencer par les inconvénients. Ça va finir sur des bananes. L'inconvénient d'une agence, c'est clairement le tarif. C'est clairement le tarif, hein. On a un tarif moyen entre 30 et 35 euros, même des fois 27 euros, on peut voir. C'est quand même très, très limite. Je pense que moi, quand je discute avec des coachs, souvent, voilà, on s'interroge sur la viabilité, ou en tout cas, quoi, la viabilité d'un modèle comme ça. À quel moment on s'arrête de faire ça, en fait? C'est comment on peut continuer à proposer ça? Ça, c'est quand même des questions que tous les coachs devraient se poser. Est-ce que j'ai fait ce métier finalement avec ce que j'apporte aux clients? Est-ce que j'ai fait ce métier pour être rémunéré à ce tarif-là? Ça, c'est vraiment mon avis. Mais il y en a aussi d'autres qui le partagent. Donc l'inconvénient, c'est le majeur, c'est le tarif. Le deuxième inconvénient, c'est que bah, vous n'avez pas vraiment de relation. Votre client, il ne vous a pas choisi, vous. On vous propose, on vous dit, bah, là, il y a un client là-bas, il faut que tu le contactes. Donc déjà, en termes de relation, c'est très compliqué. Moi, je suis encore aujourd'hui personal trainer. Quand un client, il me contacte, je sais que c'est moi qui veux. Et ça change tout. Ça change tout sur la relation qu'on va avoir. À mon sens, ça change beaucoup. Donc ça, c'est vraiment les 2 points. C'est la personnalisation de la relation avec son futur client et la tarification. 2 points. Les 2 points qui sont plutôt négatifs, hein, par rapport aux agences. Le point positif, c'est qu'ils vont vous apporter une quantité de clients qui peut ne pas être négligeable.
étant donné la quantité de demandes qu'ils reçoivent, ça peut être quand même, entre guillemets, intéressant pour quelqu'un qui démarre. Ça, c'est vraiment le point positif. Pour les plateformes, ce qui est intéressant, après, c'est certain que moi, je prêche ma paroisse, mais je vais essayer de le faire quand même super objectivement. Vous pouvez personnaliser votre profil. Et ça, c'est pas rien quand même en termes d'identité, savoir qu'on a une identité sur le web, parce que c'est ça, c'est de ça qu'on parle, c'est avoir une identité sur le web. Le client qui nous choisit, il a déjà eu des informations sur nous. Donc, quand il vous contacte, ça peut rassurer quand même au niveau de sa démarche. Même lorsque vous allez lui proposer rien que vos tarifs, on est déjà plus serein quand on sait que la personne, elle nous a choisi nous. La deuxième chose, qui n'est pas des moindres et qui est essentielle à mon sens, c'est le tarif. Vous proposez le tarif que vous voulez. Si vous avez envie de faire 50 euros, vous serez payé 50 euros. Si vous avez envie de faire 60 euros, vous serez payé 60 euros. Pareil pour 70. Et ça, c'est pas rien. L'inconvénient, c'est peut-être que ça va vous obliger aussi, vous, à vraiment à donner de la valeur à votre profil. Et ça, je pense qu'on y reviendra. On pourra peut-être y revenir par la suite. C'est qu'on ne peut pas, après, avoir un profil qu'on est obligé de vraiment de se dire, de se mettre à la place du client et de se dire qu'est-ce qu'il a envie de voir sur mon profil. Est-ce qu'il a envie de voir la photo d'une carte d'identité? Est-ce qu'il a envie de voir un texte où j'ai juste mis mon diplôme, je fais du renfort de la perte de poids? Ou est-ce qu'il veut un texte qui soit accrocheur, qui soit vendeur, une belle photo que j'ai fait prendre avec mon iPhone qui fait des super photos? Maintenant, on a des iPhones qui font des super photos et on se retrouve encore avec des selfies mal faites. Ça, c'est vraiment… Donc, l'inconvénient, c'est que ça va demander aussi un peu plus de remise en question personnelle. Parce que c'est son identité qu'on a, on gère son identité. Donc, c'est à double tranchant. Soit c'est un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Donc, l'avantage, c'est le tarif et la personnalisation de son identité. L'inconvénient, ça peut être aussi l'avantage qui est la personnalisation de son identité si on ne sait pas bien s'y prendre ou si on le prend trop à la légère. C'est ça que je voulais. C'est les mots que je voulais utiliser. Il ne faut pas prendre à la légère la personnalisation de son identité sur Internet. Ça, c'est vraiment important. Ok, ouais, alors ça pourrait être un point, on y reviendra peut-être tout à l'heure, effectivement. Comment toi, tu vois l'évolution de notre secteur d'activité? Parce que maintenant qu'on est en post-confinement, comment tu vois, toi, comment avec tout ton réseau, avec toute ton expérience, comment tu perçois les semaines et les mois à venir? On va très concrètement, on va y aller étape par étape. Faut bien comprendre ce qui est en train de se passer pour arriver à une réflexion et à une projection sur le futur. Aujourd'hui, on a des salles qui sont clairement en difficulté. Et ça ne va pas s'arranger. Puisque là, les mois vont passer. Plus les mois vont passer, et plus les difficultés elles vont grandir, puisqu'on va avoir le mois de juillet, le mois d'août, qui n'ont pas les meilleurs mois pour leur mise en forme. On a des conditions sanitaires qui vont obliger les salles à faire des choses pour avoir quelques clients. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense, à mon sens, pour les salles qui auront le plus, et ça c'est super intéressant, je trouve, qui ont le plus misé sur la relation client, et ça c'est mal de dire, mais au moins ça va être aussi une leçon pour les salles qui ont sous-estimé la relation client, qui est le lien principal, je pense, qu'on doit avoir dans un business. C'est la relation avec l'autre, hein, que ce soit même dans la vie d'ailleurs. Mais je pense que les salles qui auront le plus misé sur leur relation client, il y a quelles qui vont s'en sortir. Parce que après on prête de l'argent, c'est une chose, mais c'est de la perfusion, faut savoir, hein. Il y a des salles qui vont être des morts vivantes, hein, puisqu'on va leur donner de l'argent pour survivre alors que normalement elles auraient dû mourir. Donc là où je veux en venir, c'est que forcément on va avoir des dégâts qu'on estime aujourd'hui à 30%, c'est une estimation, mais elle semble quand même réaliste à mon sens. Que 30%, faut savoir ce que ça représente. Ça veut dire que quand vous allez prendre 10 coachs, il y en a 3
qui n'auront plus de travail. Ça, c'est un premier point. Donc, le deuxième point, c'est comment moi, au travers des demandes que je reçois, parce qu'on en reçoit beaucoup, on peut évaluer une croissance ou une décroissance. Moi, je pense qu'on va avoir une très grosse croissance et on le voit déjà. Moi, j'ai des demandes aujourd'hui de clients qui me disent « ma salle est fermée, j'aimerais bien avoir un coach à domicile ». C'est la première chose. Donc déjà, ça, c'est des choses que je ne recevais jamais avant. Donc, quand vous recevez ça, ça, c'est des signaux. Ça, c'est des premiers signaux. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter parce que les salles ne vont pas vraiment être plein régime avant septembre. Donc, on verra en septembre comment ça va. Est-ce que ça va se cristalliser ou est-ce que ceux qui auront choisi le coaching à domicile vont revenir sur leur pas et dire « bon, je vais retourner en salle ». À condition qu'il y ait les mêmes conditions qu'avant. Conditions sanitaires, j'entends. Parce que le deuxième point qui est intéressant aussi d'aborder, c'est quel est le degré de traumatisme des clients en salle. Parce qu'il y en a beaucoup qui laissent trop longtemps leur télé allumée. Et moi, je sais que quand je mets CNews 5 minutes, j'ai une angoisse pendant 30 minutes. Ceux qui la mettent pendant toute la journée, mais l'ancrage qu'ils ont subi, ça ne va pas s'en aller comme ça. Il y en a qui vont être traumatisés. Est-ce qu'ils vont avoir envie de s'entasser dans des salles, je ne suis pas sûr. Donc, à moins qu'en 3 mois, on ait créé un nouveau modèle, ce qui serait génial. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un modèle où on peut ouvrir les toits qui fonctionnerait. Hein. Mais à partir du moment où on ne peut pas investir 50 000 euros dans un toit ouvrant, ça va être très compliqué pour rassurer des clients. On a vu des photos avec des plexis sur toutes les salles. Est-ce que ça donne envie? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc, moi, avec tous ces éléments, bah, je peux quand même augmenter mes probabilités de me dire, bien sûr, que le coaching à domicile va exploser. Moi, je reçois plein de demandes depuis 2 semaines et je recevais déjà pendant le confinement avec des demandes en ligne, des demandes post-confinement. Donc, à mon sens, malheureusement et heureusement, parce que moi, je suis très empathique par rapport à ceux qui ont des salles. J'avais le projet d'en ouvrir une aussi. Donc, je me mets à leur place et je sais que ça doit être super dur. Donc, je ne vais pas me réjouir du fait que je pense que nous, on va avoir une forte croissance. Et on va le constater, forcément, on va le constater. D'autant plus, et la troisième chose, c'est que tout ce qui est sport associatif, là, ce matin, j'étais avec une cliente, elle va plus pouvoir faire son sport qu'elle faisait en association. Donc, forcément, tout ça, c'est qui va le drainer? Qu'est-ce qui va rester comme proposition aujourd'hui de service sportif? Il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est là où, effectivement, on va quand même récupérer un petit peu tous ces clients qui ont besoin de s'entraîner. Et en plus, tout ce qu'a engendré le confinement en termes de prise de poids et de prise de conscience, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris conscience que le sport, bah, c'était génial, hein, et que ça faisait du bien. Donc, on peut s'attendre quand même que, même si ce pourcentage va réduire, on sait très bien que les habitudes, c'est ce qui nous caractérise. Hein. Mais il va y en avoir quand même qui, 2 mois à réfléchir, 2 mois à faire des nouvelles choses, c'est quand même, c'est pas rien. Donc, tous ces éléments, moi, ça me fait me dire, avec des fortes probabilités, que le marché du coaching à domicile, c'est un marché qui va exploser. Ça, c'est très probable. Il y a beaucoup de probabilités. Et que les coachs ont tout intérêt à le prendre en considération. À tout de suite se dire comment est-ce que moi aujourd'hui, surtout ceux qui étaient en cours collectif, comment moi aujourd'hui, professeur de cours coach, je vais faire pour faire une transition vers quelque chose qui va me permettre de garder mon activité dans un milieu qui me passionne. Ça, c'est vraiment un point central, je pense, pour tous ceux qui sont en salle. Comment je fais ma transition? Il faut la commencer tout de suite, en tout cas, ça c'est certain. Parce que ceux qui l'ont commencé prennent de l'avance. Et quand on prend trop de retard, les paliers deviennent trop hauts après. Pour récupérer l'avance, il faut toujours quand même aller assez vite, même s'il y a un moment de sidération, il y a un moment de réflexion. Au bout d'un moment, il faut agir. Si vous n'agissez pas, vous subissez. Et là, c'est la décroissance. Là, vous pouvez changer de métier, même s'il y en aura forcément qui vont changer de métier. Mais je pense que si vous voulez rester dans ce secteur, il faut absolument vous diversifier. Ça, c'est vraiment fondamental. Et moi je vois, j'ai toujours cherché à me diversifier pour au moins que si quelque chose ne fonctionnait pas, et ben j'avais toujours une soupape.
Ne mettez pas toutes vos billes dans le même sac. Vous avez vu, aujourd'hui, je pense que même si c'est grave ce qui se passe, c'est des leçons qui vont vraiment faire de vous, les coachs, des coachs avec une expérience énorme que vivront pas les prochains coachs qui vont arriver sur le marché. Vous aurez l'expérience de la disruption d'un secteur, donc du changement de modèle d'un secteur. Et ça vaut beaucoup pour le futur. Ouais, donc c'est super intéressant. C'est-à-dire que là, tous ceux qui se sont déjà lancés dans le personal training, bah, vous avez eu raison, parce que vous avez déjà, comme disait Flavien, vous avez déjà une longueur d'avance. Ceux qui ne sont pas encore passés en personal training, bah, il vous reste encore la possibilité de le faire. Mais souvent, la question, et on y a répondu la semaine dernière, mais on va quand même la remettre en ligne cette semaine, c'est les coachs qui donnent essentiellement des cours collectifs ou qui sont formés en cours collectifs, comme par exemple les DGEPS AF, cours collectifs, ou également HG2F, option C. Parce que pour les DOST des métiers de la forme, eux, ils ont la double compétence. Pour les CQP, c'est un petit peu différent. Pour les CQP ALS, AGE, c'est un petit peu différent. Mais globalement, si vous êtes diplômé, et ça, souvenez-vous, hein, si vous êtes diplômé d'un DPGEPS, activité de la forme, option cours collectif uniquement, parfois vous vous dites, mais non, je n'ai pas la possibilité de faire du personal training. Alors, croyance. Et la semaine dernière, on l'a prouvé, on est allé sur la fiche RNCP, j'ai mis la fiche RNCP du registre. RNCP, c'est-à-dire Registre National de la Certification Professionnelle. C'est là où sont tous les diplômes et là où vous pouvez voir quels sont vos droits, c'est-à-dire vos prérogatives, ce que vous avez le droit de faire. Et on y est allé la semaine dernière, on est allé sur cette fiche pour les BPGEPS cours collectifs et on a bien vu que sur la fiche, il était noté que vous aviez la possibilité de faire de l'individuel et pas que du collectif. Et ce qui est important de vous dire, c'est que même si vous avez toujours donné des cours collectifs, même si vous êtes diplômé qu'en cours collectif, vous avez la possibilité de faire des cours privés. Vous avez la possibilité d'aller chez les gens pour faire des cours d'abdos fessiers, un cours d'abdos fessiers pour une personne. Vous avez la possibilité d'y aller pour un cours de yoga, pour un cours de pilates, que ce soit pour une personne, peut-être plusieurs membres de la même famille, du même foyer, pourquoi pas. Mais vous pouvez le faire avec un seul membre. Vous avez le droit de le faire, puisque c'est dans les prérogatives de la fiche RNCP. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer en personal training. Si on vous a dit des années, que c'était interdit, en fait, allez toujours à la source. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Allez regarder cette fiche RNCP et vous verrez que vous avez le droit de le faire. Donc, c'est une très, très bonne chose de ce que dit Flavien. Là, ça veut dire que lui, il a la possibilité de voir qu'il y a énormément de demandes en cours particulier. Foncez, parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous en sortir par la suite si vos clubs effectivement ne vous permettent plus de faire autant de cours collectifs ou si vous êtes obligé d'attendre le mois de juin pour commencer à redonner des cours collectifs. Donc, il faut que vous essayiez de trouver des solutions qui vous permettent de compenser ces pertes que vous allez avoir. Donc, c'est une super nouvelle, c'est ce que tu nous annonces, hein, Flavien. C'est cool, hein? Oui, pour le milieu du personal training, ouais, c'est quand même… Enfin, en tout cas, pour les coachs qui souhaitent rester dans le milieu, de savoir qu'il y a un relais de croissance, c'est quand même une bonne nouvelle. Heureusement, franchement. Sinon, bah, le milieu, il prendrait quand même une sacrée rouste. Ouais. Et quel est le conseil que tu pourrais, ou les conseils que tu pourrais leur donner à ces profs de cours collectifs pour pouvoir facilement passer d'une situation où ils étaient en face de club à une situation où ils vont devoir être face à des clients? Est-ce qu'ils ont besoin de compétences supplémentaires selon toi? Est-ce qu'ils ont besoin d'outils? Comment ça va se passer? Ouais, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'un coach sportif qui fait ça à mi-temps ou à plein temps, il a été modelé par son activité. C'est-à-dire qu'il s'est modelé avec l'envie, hein. Mais petit à petit, tout qu'il fait a été fait de l'expérience et des formations. La première chose, c'est qu'il se forme. Il faut se former à comment vendre. Et ça me permet de voir ce qu'on voit souvent chez ceux qui donnent des cours collectifs et qui se posent la question, enfin en live, on a eu beaucoup,
Comment je fais pour faire payer les participants? Est-ce que je fais une cagnotte? Mais, et puis il y en a qui disaient non, faut faire de la solidarité. Non, moi, j'ai rien contre la solidarité. Je donne beaucoup tous les mois. C'est pas un sujet. La solidarité, c'est pas ça. Là, vous êtes en train de faire de la solidarité en plus avec des personnes qui ont les moyens de régler. C'est pas, c'est, on est hors sujet. Là, l'idée, c'est comment je vais structurer un paiement qui me permette, moi, d'être rémunéré par rapport à la valeur que j'apporte aux participants. Et c'est pas en faisant une cagnotte. On va essayer de, et ça, ça demande d'être formé, je pense. Moi-même, j'ai été formé. Comment vendre des coachings. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur plein d'idées reçues qu'on a, plein de blocages qu'on a. Et c'est important de le faire. Donc, chose essentielle, c'est qu'il faut se former. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir envie aussi. Il faut avoir envie de mettre le pied dedans, dans ce milieu. Moi, je suis sûr que beaucoup de coachs en cours collectif font un blocage, plus peut-être par peur, et je suis sûr, ou par un peu, par mépris, mais un petit peu, voilà, bon, ils ont l'habitude de travailler comme ça en cours collectif, ils ont été modelés eux-mêmes aussi pour ça. Donc, pour eux, la transition leur paraît vraiment avec un chemin à faire peut-être trop grand, ou peut-être qu'avec peut-être que c'est une activité pour eux qui est trop différente de la personal training. Mais moi, je suis sûr que ces personnes-là, elles découvriraient des choses vraiment super intéressantes dans le personal training, des super rencontres. Enfin, on rencontre des gens exceptionnels. C'est des opportunités énormes, des relations. Vous allez avoir un carnet d'adresses, mais énorme. Et puis même, au-delà de ça, la satisfaction d'aider quelqu'un en individuel, elle est complètement différente. Vous rentrez dans la famille de quelqu'un. Il y a plein de points qui font que c'est vraiment super excitant et que vous comprenez la chance que vous avez. Moi, à chaque fois que je suis rentré chez un client, et je me suis toujours dit la chance que j'avais que cette personne-là me laisse rentrer chez elle et qu'elle me laisse rentrer dans son lieu d'habitation et qu'elle me présente sa famille, c'est vrai, c'est un privilège ça. Ça, c'est vraiment un privilège. Moi, je ne laisse pas rentrer les personnes chez moi comme ça. Donc, tous ces points-là, je pense que il faut c'est des points qui doivent être pris en conscience des personnes qui sont en cours et je suis sûr qu'il y a ça peut être une découverte. Ça peut être une découverte si elles ont envie. Parce que le désir, c'est au cœur de tout. Si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. Il faut vraiment avoir envie d'une, de rester dans le milieu. Ça, c'est pas anodin. Et de deux, quand même, d'avoir envie de se retrouver avec quelqu'un. Effectivement, vous êtes seul. Voilà, c'est une autre démarche. C'est quand même super intéressant. Ça fait penser à ce que tu dis. À une expérience qu'a eu un coach que je connais, un personal trainer, qui encadre et qui entraîne régulièrement un acteur qui est Pierre Richard, que beaucoup connaissent vraisemblablement. Et il me disait, mais ça fait 10 ans que j'entraîne une célébrité, quoi, Pierre Richard. Il me dit, mais je pensais que dans ses films, il était gaffeur, mais exprès d'avoir ce personnage-là. Et dans la vie, il est comme ça. Il est pareil, mort de rire. Quand il racontait que quand il mettait son survêtement, parfois il le mettait devant derrière. Donc en fait, il explosait de rire régulièrement. Et puis effectivement, il découvre des lieux qui sont des lieux inhabituels, des personnes qui amènent de la richesse humaine. Et c'est génial, c'est génial. C'est une belle expérience d'être personnel trainer. Non, mais c'est la valeur ajoutée. Je ne sais plus ce que me disait un client par rapport à ça, mais c'est je ne sais plus, je ne saurais pas le retrouver. Mais en gros, ça peut vraiment vous permettre d'avoir beaucoup de choses que vous n'aurez pas eues. C'est une valeur ajoutée énorme. Moi, j'ai eu beaucoup de privilèges par rapport à mes clients, dont je ne vais pas forcément parler, mais des choses que je n'aurais jamais eues sans clients que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. C'est des passerelles pour les avantages. Ben oui, ben j'ai des amis qui me racontent régulièrement des belles rencontres qu'ils ont faites. Certains sont partis en vacances directement avec leurs clients, parce que les clients aussi ou partaient à l'autre bout du monde et ils avaient besoin de ils avaient envie, c'était du plaisir
quelque part, d'avoir son personal trainer. C'est une fierté d'avoir son personal trainer avec lui dans l'avion, qui ouais. l'accompagne. Qui est à sa disposition une partie de la journée, parce qu'ils ont décidé que ça serait telle heure tous les jours ou tous les deux jours. Il est à sa disposition, il ne veut pas aller voir un autre personal trainer. Il y a un lien, il y a un truc qui est vachement important. Et j'ai un ami qui est sur Saint-Raphaël, et il disait qu'un jour, étant sur la côte, il avait eu la possibilité de pouvoir entraîner, de pouvoir partir avec un émir. Excellent. Ouais. Parce qu'il a pris l'autre. Et sur son bateau, il était parti. L'émir l'avait engagé pendant un mois. Il avait gagné 30 000 euros sur un mois. Il était à disposition de l'émir pour faire du personal training quand l'émir le souhaitait, parce qu'ils ont quand même des, voilà, ils ont des petites coquetteries. Mais il n'entraînait pas si souvent que ça. Et au bout du compte, il avait passé toutes ses vacances avec. Il était parti sur un yacht pendant un mois. Lui, il profitait de la vie, il était nourri, logé, blanchi, il faisait de temps en temps un peu d'entraînement, mais il profitait aussi du scooter des mers qu'il y avait sur le yacht. Parfois, il faisait des tours d'hélicoptère. Enfin, c'était des trucs incroyables. Bon, il l'a fait qu'une fois, mais ça, c'est parfois des extrêmes. Néanmoins, c'est comme tu disais, c'est des expériences qui sont incroyables. Clairement, entre autres, hein, ça, c'est vraiment… C'est une chance, c'est une chance. Foncez, tentez, et puis souvenez-vous que le plus important, comme disait Flavien, c'est que, un, il va falloir vous former pour apprendre à vendre, parce que, bien évidemment, quand vous faites du cours collectif, c'est déjà le club qui vous amène les clients. Là, vous allez devoir vous vendre à des clients. Et là, avec tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec le confinement, vous avez vu qu'effectivement, ce n'est pas évident. Hein, si on n'est pas formé, Donc, vendre, attirer à soi des clients, capter des clients, et puis aussi travailler sa grille tarifaire, parce que mettre un prix, c'est facile, mais trouver un prix qui fait vendre, c'est autre chose. Donc, effectivement, un, formez-vous sur de la méthode de vente en personal training. Deux, comment capter des clients, comment gagner plus de clients. Et en plus, après, comment faire pour travailler vos prix, booster vos prix, accepter ne serait-ce que un prix. Vous-même, acceptez votre prix et découvrez carrément une autre facette du métier. C'est génial. C'est génial. Clairement. Flavien, je passe à une autre idée. Est-ce que d'après toi, les habitudes, pas des coachs, hein, mais les habitudes des gens ont changé vis-à-vis de notre métier, vis-à-vis du sport ou du… leur vision ou peut-être leurs habitudes en général. Est-ce que leurs habitudes vont changer vis-à-vis du sport? Tu avais une idée, une façon générale, je veux dire. Ouais, tu sais, ceux qui sont chez eux, qui, un, peut-être n'avaient jamais pratiqué, ou bien ceux qui avaient déjà pratiqué, qui avaient déjà goûté un peu aux activités formes, que ce soit pour collectif. Est-ce que tu entrevois un changement dans leurs habitudes, ces personnes-là? Donc, en fait, je pense qu'il y a deux choses par rapport à ta question sur lesquelles je peux rebondir. C'est le confinement, forcément, va ouvrir les yeux sur bon nombre de particuliers sur l'intérêt du sport. Donc, on peut s'attendre quand même à une croissance au niveau de l'activité physique des particuliers, mais aussi leur façon de le consommer. On me voit bien là ? Oui. Ouais, ok, parce que ça sautait un petit peu chez moi. Leur façon de le consommer, et notamment sur le visio, le coaching en ligne. Je pense que ça, c'est un truc… je pensais pas que ça allait aller aussi vite d'ailleurs, hein, pour te dire honnêtement, mais j'y ai assisté. Puisqu'on a été obligé de le faire, hein. Et que si je prends… Bon, déjà, il y a eu des demandes de coaching en vidéo, donc ça, c'était assez surprenant. Et est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer? C'est difficile de le dire. En tout cas, pour ceux qui ont commencé à le faire, je pense qu'ils y ont pris goût. Donc maintenant, je pense que ce qui va être déterminant sur… leur changement,
c'est combien de temps va durer le post-confinement, en fait, le post-crise, hein, un peu le, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a une politique qui veut qu'on favorise le télétravail. Combien de temps ça va durer, ça? Et je pense que ça, plus ça va durer, plus on va assister quand même à un changement de mode de consommation du sport. Il y en a qui le prédisent depuis longtemps, hein, ce phénomène de faire du sport en visio. Là, on peut dire que c'est un accélérateur. D'ailleurs, souvent, les crises sont des accélérateurs disruptifs, hein. Faut bien en avoir conscience. Une crise, ça accélère toujours les choses. Donc, si moi, je prends mon cas perso, puisque je fais aussi beaucoup de personal training, j'ai eu 60% de mes clients qui sont passés en visio. Les autres ne pouvaient pas parce que, bah, y avait de la course à pied, il y avait de la musculation, il y avait des choses qui n'étaient pas faisables en visio. La musculation, quand je le faisais avec eux, en tout cas. Donc, j'ai eu 60% de mes clients. Et sur ces 60%, on doit bien en avoir 40% qui veulent rester en visio. Et ça, ce n'est pas anodin quand même. C'est quand même. C'est pas rien. 40% des clients que j'ai qui me disent, si tu veux, on continue en visio. Moi, ça me plaît vachement. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Est-ce que le fait que je les ai eus avant, donc on a eu le démarrage ensemble, je les ai sensibilisés aux postures, aux positions, aux consignes, fait que, bah, effectivement, c'est beaucoup plus fluide? Ou est-ce que vraiment l'outil online, c'est vraiment quelque chose qui est. Qui a de la valeur. Pour ça, je m'appuie aussi sur les clients que j'ai fait en plus, qui m'ont contacté en plus pour du online. Je vois bien que ça répond quand même à leur demande. Et ça, c'est quand même, pour moi qui fait ça depuis 10 ans, c'est quand même super intéressant parce que je m'attendais pas à ce que ça ait autant de valeur. Je l'ai vraiment réduit. Alors que là, les clients que j'ai fait en plus en ligne, je vois qu'ils sont très contents. La relation se passe très bien. Même la première relation où on se parle pour la première fois en visio alors qu'on échangeait par mail, mais ça se passe de la même manière. C'est toi et ta capacité à être attractif. Et la générosité, je pense que tes clients, ils le sentent tout de suite. Si tu es généreux, que tu as envie de les aider, ils vont le sentir. Et puis après. Bah, ils vont te voir faire ta position. Si tu as la technicité verbale, et bah, c'est pareil qu'en live, hein. De toute façon, tu ne les touches pas, tes clients en live. Donc, moi, en tout cas, je ne les touche pas. Donc, c'est pareil finalement. On n'a pas ce côté humain, on ne sent pas les mêmes sensations, mais on s'y fait très bien, étonnamment. Étonnamment. Donc, attention, on peut avoir du changement à ce niveau-là. Je pense qu'il faut se préparer à ça. Il faut vraiment se préparer à ça parce que ça peut être une surprise. Moi, j'estime très objectivement, on peut estimer à 20%, 15%, 20, ça me paraît beaucoup, 15% le changement d'habitude live, si on prend vraiment le point du live au visio, à 15% la part que ça peut représenter, mais on ne sait jamais. Ces choses-là, ça peut vite, et c'est comme quand on achète par téléphone aujourd'hui. La croissance, elle est énorme. Il faut bien se rendre compte que de c'est quoi, c'est, je crois que c'est aujourd'hui, c'est 50% de la part des achats qui se fait en ligne. Mais il y a quelques années encore, on ne l'aurait pas imaginé. Et là, une situation comme la crise a encore accru, il y a eu encore une croissance de ce phénomène-là. Donc, attention, il faut toujours anticiper ce genre de choses, sinon c'est comme tout à l'heure, le train il passe devant vous et il y en a eux qui l'ont anticipé. J'ai vu des coachs, hein, se former sur le coaching à distance, ils l'ont anticipé déjà. Ça, c'est des choses, il faut les anticiper tout de suite. Si vous le sentez, voilà, ne restez pas à rien faire. Voilà, ce sera pas perdu de toute façon. Ce sera pas perdu, c'est toujours de la valeur ajoutée, c'est toujours une corde à votre arc en plus. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ceux qui font du court-cours et ceux qui font du personal training et ceux qui font de la vente de programmes en ligne. Mettez toutes les cordes que vous pouvez parce que c'est ça qui fera de vous quelqu'un qui va durer. Moi, je fais pas la même chose que je faisais il y a 10 ans. Je pourrais, mais je serais pas serein quand même. Je serais pas serein parce que d'une, on vieillit, de deux, le milieu, il change. Un jour, votre salle, elle a besoin de coach, mais demain, ça sera des vidéos. Un jour, donc, préparez-vous toujours à autre chose. Et pour ça, il faut être formé sur tout ce dont vous pouvez
être formé, même si ça vous paraît, ah non, non, mais moi je fais pas ça, moi j'ai eu des débats avec des coachs, non, non, le online, ça c'est pas bien, il faut, on les a vus sur le groupe, non, le online c'est pas bien, ça apporte rien. Oh, si, si, croyez-moi, c'est bien, ça apporte quelque chose et c'est peut-être le futur, peut-être que bientôt il y aura que ça, hein. On ne sait pas, vous avez vu comment ça arrive vite, ce genre de crise, on se la prend en pleine face. Et on n'est pas préparé. Donc, quand on vous propose des chemins de sortie, il faut les prendre tout de suite. Il ne faut pas perdre de temps parce que c'est votre business qui est en jeu. C'est soit ça, soit vous allez devoir changer de secteur. Il faut bien se le dire. Hein. Quand il y a des choses comme ça et qu'on n'a rien fait, ce qui arrive après, c'est vraiment vous allez subir et vous allez être écarté du système parce que ceux qui seront formés vont prendre toutes les parts. Ça fonctionne en part de marché, c'est un gâteau. Hein. Si vous voulez des parts du gâteau, bah, il faut être les meilleurs. Parce que là, il va y avoir une concentration du nombre de coachs vers un même secteur. On ne va pas s'embêter avec ceux qui sont hésitants ou qui, voilà, qui sont moyens. C'est forcément les meilleurs qui vont s'en sortir. En tout cas, ceux qui se seront le plus modifiés, modelés à la situation. On se modèle toujours à la situation. Si vous avez des oreilles pour écouter, c'est parce que votre corps il a eu besoin d'entendre des choses. Là, c'est pareil, si vous allez vous former au coaching en ligne, c'est parce que vous avez perçu que ça va être ça qui va pouvoir vous nourrir, qui va pouvoir acheter ce que vous continuez à garder votre train de vie. Donc, si vous voulez garder votre train de vie, il faut continuer à se former à tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des nouvelles choses. Les nouvelles choses, ça peut faire peur au début, mais il faut y aller, foncer. Vous allez voir, à chaque fois, c'est des super découvertes, ça vous enrichit. Et puis, vous allez vous regarder comme vous étiez avant. En même temps avec un sourire comme vous regardiez un enfant, c'est ça qui est aussi qui est génial, c'est ah ouais avant ouais, je faisais que ça et tout, là voilà, maintenant je me suis formé à ça, je sais faire ça, et ça va vous donner de la confiance, et la confiance c'est ça qui fera de vous quelqu'un qu'on pourra pas arrêter, c'est ça qui fera de vous quelqu'un qui va durer dans le milieu, c'est la confiance, et la confiance ça se gagne, c'est pas la confiance, elle vient pas comme ça, elle vient pas, vous pouvez faire sans coaching, c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un de confiant, c'est l'augmentation de vos compétences, ça faut bien en avoir conscience. L'augmentation de ses compétences, c'est l'augmentation de votre valeur sur un secteur. Et c'est ça qui va faire de vous quelqu'un qui dure. Donc ça, c'est vraiment les points importants. Tu as une idée de discipline qui pourrait peut-être être intéressante pour certains, Moi, j'ai qui aurait plus de valeur que d'autres? une idée de discipline, tu dis? Ouais, ou de spécialité que pourraient avoir les coachs pour sortir peut-être un petit peu leur épingle du jeu. En termes de formation, tu veux dire précisément là, que je les inciterai à faire quoi? Par exemple, ouais, si tu devais leur proposer des Deux choses. disciplines, Bien ouais, qui sûr. te paraissent importantes. Clairement, pour moi déjà, formation au coaching en ligne, pour ceux qui en ont besoin. Il faut se former en ligne. C'est un monde à part. Moi, j'ai l'habitude. Enfin, alors, moi, je me suis formé en ligne. Mon site, pour l'amener là où il est. Je me suis formé, ça m'a coûté, là je peux parler de chiffres parce que ça c'est pas encore très grave, ça m'a coûté 8 000 euros pour donner un ordre d'idée, pour que les gens prennent bien conscience de c'est quoi investir sur soi. Moi quand j'ai investi sur moi, si aujourd'hui je fonctionne, c'est parce que j'ai investi sur moi. Comme des parents investissent sur leurs enfants quand ils les mettent en école privée. C'est toujours le même principe. On investit pour gagner plus. C'est toujours pareil. Le conseil que je donne, c'est n'ayez pas peur de mettre un billet dans un truc qui va vous rapporter le 10 fois plus. C'est toujours le grand truc. Ouais, c'est trop cher. Mais il faut bien voir comment. Le système fonctionne comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, vous allez vous en mordre les doigts. Si vous n'investissez pas sur vous, y a d'autres qui vont le faire à votre place. Hein. Ils vont investir sur eux. Hein. Eux ont tout compris. Hein. On les voit. De toute façon, les coachs là qui commencent à sortir du lot, moi, je les vois bien. Tu les vois aussi, Christophe. Ils sont là, ils commencent à prendre leur position, ils sont en train de s'élever. Et ça, c'est sans doute des futurs gérants, sans doute des futurs visages de la remise en forme dans les 10 prochaines années. Donc, au-delà de ça, ils ont la garantie de rester dans le milieu. Et c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse. Donc, le premier point, c'est de se former, bien sûr, au coaching en ligne. Et moi, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut être hyper présent sur Internet. Il faut que vous
vous soyez partout. Il faut qu'un coach, un client puisse vous trouver partout. Je vais vous dire, moi quand j'ai commencé à être diplômé, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit sur toutes les plateformes. Toutes. J'ai cherché même les plus. Et je vous assure, il y en a même qui m'ont rapporté qu'un seul client de jusqu'à aujourd'hui. Mais ce client-là, il m'a rapporté 2000 euros. Avec ces 2000 euros, j'ai décoré ma voiture. Quand je me gare devant mon Carrefour Market, tous les 6 mois, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Tous les 6 mois, ça me fait encore des clients que tu peux garder 3, 4, 5 ans. Donc, effet papillon, ne sous-estimez jamais une action que vous allez avoir, aussi petite soit-elle, pour votre développement. Ça, c'est vraiment, je trouve, que beaucoup de coachs aujourd'hui sont trop enfermés dans des schémas. Je ne sais pas si c'est de la peur, parce qu'effectivement, souvent, on a peur aussi de s'afficher, surtout quand on commence, parce qu'on vient peut-être d'un certain milieu. Moi aussi, je venais d'un peu de la banlieue, donc pour moi, ce n'était pas possible comme ça de mettre son adresse sur Internet. Par exemple, je me disais, attends, les embrouilles et tout, enfin, tout un truc, une sorte de psychologie de la banlieue qui fait qu'on ne se montre pas, on ne met pas son adresse, enfin, on est un peu dans un truc qu'on peut comprendre, mais qui n'a aucun sens. Donc, la première chose, c'est de se former. La deuxième chose, c'est d'être hyper présent sur Internet. Inscrivez-vous sur toutes les plateformes. Je reviens, moi, comme je vous dis, je me suis inscrit sur des plateformes qui m'ont rapporté peut-être qu'un seul client par plateforme, mais en tout cas, ça a contribué à un ensemble. Ça a contribué à un ensemble. Donc ça, il faut vraiment ne pas le prendre à la légère. C'est d'aujourd'hui. Il n'y a pas que Facebook. Facebook, c'est bien. Instagram, c'est bien. Internet, c'est bien aussi. Tout est bien. Soyez partout. Moi, c'est ce que j'ai appris dans mes formations en référencement. C'est que le mot d'ordre, c'est hyper-présence. Hyper-présence. Ça, faut bien se le dire. Hyper-présence. Soyez hyper-présent. Soyez partout. Faites parler de vous partout. En plus, ça prend un petit peu de temps. Voilà, vous rédigez un petit truc. Prenez une belle photo. Et puis voilà. Et hop. Et après, c'est bon. Il y a un client qui va se balader par hasard, qui cherche un coach, lui, il va tomber là-dessus parce que selon parfois l'algo de Google, il va plus pousser des plateformes que d'autres, même si c'est en train de se cristalliser. Mais ça ne coûte rien et ça peut rapporter. Ça, c'est vraiment… Ouais, c'est très, très intéressant en fait parce que c'est vrai que certains pouvaient ne pas avoir conscience que les plateformes existaient, qu'on pouvait aider les coachs comme ça. Et c'est vrai que là, c'est quelque part, c'est presque une bouée de sauvetage par rapport à tout ce que tu me dis là. Les plateformes, les agences sont des bouées de sauvetage qui peuvent vous aider à vous en sortir dans la situation actuelle. C'est génial. Mais ça, comme toujours, il faut savoir s'adapter. Ouais, bien sûr. Exactement. Il faut avoir envie. Il faut y aller. C'est qu'à un moment, il faut y aller. Faut pas perdre de temps, faut pas rester sur place. Surtout souvent, on reste trop sur place, on attend, on laisse le temps passer comme si notre environnement allait changer pour nous. Mais c'est vous qui allez changer l'environnement. C'est bien ça, vous êtes acteur de votre propre vie. Hein. C'est vraiment faux. Faut foncer, faut y aller, faut pas perdre de temps, faut tout défoncer. Je vais être partout et quand je serai partout, des clients vont me contacter parce que j'aurais voulu qu'ils me contactent. En étant partout, c'est ce que je veux, c'est qu'on me contacte. En me formant, ce que je veux, c'est augmenter ma valeur pour que mon client, quand il m'appelle, il soit sur la bonne personne. Et moi, je sais qu'il est sur la bonne personne parce que je me suis formé. J'ai aucune hésitation, j'ai aucun doute. Et que quand je lui propose un tarif même élevé, j'ai aucun problème parce que je sais à qui il a affaire. Je sais qu'il a affaire à quelqu'un qui s'est formé et qui ne va pas le trouver partout. Donc, c'est pour ça, 2 points, formation. Hyper-présence, ça, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment les deux points essentiels pour réussir en personal training. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, c'est un socle qu'il faut toujours avoir en tête. La formation, l'hyper-présence. Avec ça, rien qu'avec ces idées-là, il faut que je sois hyper-présent, il faut que je me forme. Mais après, c'est gagné. Après, c'est des habitudes. Après, vous comprenez comment fonctionne le monde du digital. Qui est le futur. Digital, c'est le futur. Il faut bien en avoir conscience. Ouais, j'en parle dans mon ouvrage. Là, j'ai carrément tout un chapitre dessus dans la Bible du personal trainer. Et dedans, je trouve des hologrammes. Parce que
déjà des hologrammes qui sont prêts, qui existent au Japon, qui entraînent déjà des gens. Il y a des grandes télés, en fait, c'est ce qu'on appelle mirror. Et en fait, c'est une grande télé avec une interaction avec son coach en face. C'est fait pour, ce sont des programmes qui sont en ligne et des programmes avec un coach qui est à la même grandeur que nous, même gabarit, et on a l'impression d'être dans un miroir. C'est pour ça que c'est pas le mirror. On a notre coach en face qui nous parle, qui nous montre les exercices. Et puis, on a aussi la réalité virtuelle avec les masques de réalité virtuelle arriver très, très vite. Donc, il faut monter dans ce train. Et même si ça fait peur, parce que des fois, on peut se sentir dépassé, on va apprendre. Plus on va apprendre, plus on va se sentir à l'aise. Exactement. Et oui, il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Il ne faut pas se dire, ça va arriver. Il ne faut jamais être défaitiste comme là. C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on pourrait très bien se dire il va y avoir ça de toute façon, le milieu va changer, mais ça va faire qu'augmenter ça va faire croître le milieu. Ça va encore plus augmenter la force de proposition du milieu. Quand on prend les chiffres, rien que du personal training, en Angleterre où il y a un coach pour 5000 habitants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en France c'est un pour 50 000. Le potentiel qu'on a encore, il est gigantesque. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on sous-estime, parce que je pense beaucoup aussi, c'est que c'est nous qui l'avons dans les mains, ce potentiel changement. C'est à nous d'amener ces clients-là et venir nous voir. Et c'est grâce à notre force de proposition aussi. C'est grâce à justement, dans ces moments-là, à proposer des nouvelles choses, à être encore plus attractif. Plus on va être attractif, plus on va parler de nous, plus on va attirer des nouveaux clients. Donc, on peut être très confiant sur le milieu de la remise en forme d'une façon globale, plus précisément du personal training. Il ne faut pas avoir peur. Ne restez jamais figé par rapport à ce qu'on vous dit sur ce qui pourrait arriver. Vous avez le pouvoir de changer les choses, même à votre petite échelle, même moi à ma petite échelle. Chacun, on a le pouvoir de faire changer les choses. Flavien, comment on fait pour s'inscrire sur une plateforme ? C'est assez simple. Hein. Moi, pour ma part, il y a un formulaire d'inscription que vous remplissez. On le valide en back office. On voit s'il n'y a pas de choses qui soient un peu hors sujet. Et puis ensuite, lorsque un client souhaite vous contacter, là, on fera le contrôle des documents officiels. Toutes les plateformes fonctionnent un peu comme ça. Vous remplissez un profil, vous mettez votre photo, vous mettez un texte, vos diplômes, vous envoyez des documents d'identité et ça génère automatiquement un profil après validation au back-office. C'est très simple. Ça, c'est pour les plateformes. Pour les agences, eux, souvent, c'est une sorte de questionnaire où on vous demande votre identité. C'est un peu la même chose, sauf que là, ça ne génère pas de profil en numérique, tout simplement. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, mais à condition quand même de pas sous-estimer l'impact de ce que vous allez mettre dedans. Hein, encore une fois, super photo, super texte accrocheur. Moi, mes textes, je les relis, je les réécris et même je reviens une semaine après, je rajoute des trucs parce que moi, quand je lis un texte quelque part, j'aime bien que ce texte, il me donne envie. Ça, c'est très aussi d'aujourd'hui, ça a quelques années encore, mais c'est le copywriting. Il ne faut pas le sous-estimer, il faut savoir vendre dans un texte. Il faut donner envie à quelqu'un. Et il y a deux choses là-dessus. Ou on a une vision marketing, et effectivement, on fait ça façon copywriting, ou on peut aussi se laisser être sincère et dire vraiment ce qu'on a envie d'écrire, mais en étant généreux, en s'imaginant vraiment, voilà madame, voilà monsieur, qu'est-ce que je peux vous apporter, en s'imaginant vraiment la personne en train de… Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire, moi, cette personne qui veut du coaching ? Ne sous-estimez pas ça. Parce que ça peut être… Souvent, j'ai des coachs qui me disent « Ouais, là, on ne m'a pas contacté, comment ça se fait ?» Il y a deux choses. Il y a des départements, effectivement, où on est plus nombreux que d'autres. Donc, forcément, on va avoir moins de demandes. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on pourra en parler par la suite, mais par rapport au potentiel vraiment financier d'un profil sur une plateforme, là, l'idée, c'est plutôt de se dire « Comment je me démarque ?» Il faut vous démarquer par rapport à votre texte, parce que vous êtes beaucoup.
par rapport à votre texte, par rapport à votre photo. Soyez attractif. Pensez à toujours optimiser. Pensez client. Pensez introspecter le client. Mettez-vous à la place du client. Qu'est-ce qu'il a envie de lire? Est-ce qu'il a envie de lire trois mots, perte de poids, renfo, voilà, je suis diplômé. Donnez-lui envie. C'est pas compliqué, hein. Il faut écrire. Moi, je pense toujours. Moi, alors, je vais vous dire quelque chose. C'est moi, je pense toujours sincérité. Je pense que quand on est sincère et généreux, à mon sens, ça marche toujours. Il y en a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Mais moi, j'ai toujours misé sur la sincérité. Et même quand je regarde mon site en 2014, qui était tout pourri. Non, mais franchement, mais c'était pourri. Mais souvent, les clients, ils me disaient, ouais, j'aime bien ton site. J'aime bien et tout. Ils me décrivaient une émotion. Et c'est marrant parce que l'émotion que je percevais chez eux, bah, c'était l'émotion que j'y avais mis. C'est-à-dire une émotion sincère. Tu vois, je voulais qu'ils prennent un plaisir à le lire, à aller dessus. Ben, moi, c'est ça que je recommande au coach. C'est soyez sincère. Et la sincérité, ça donne du plaisir à écouter. Ça, voilà, la sincérité, ça paye toujours. Voilà. Merci. C'est pour un détail hein, concernant le terme qu'il a employé, Fabien, c'est copywriting. C'est-à-dire, en fait, c'est la façon dont vous allez formuler vos phrases et les mots que vous allez utiliser, qui sont des mots qui vont impacter sur le lecteur et des phrases qui vont impacter. Donc, ça, on en retrouve énormément dans des émissions comme le télé-shopping. Regardez une émission de shopping, ne la subissez pas, prenez-la avec de la distance et analysez tout ce qui est dit. Vous allez vous rendre compte que en fait, tout a été bien pensé. Le script a été vraiment très, très bien pensé et il a été pensé pour vendre. Et c'est ça le copywriting. C'est l'utilisation des mots, la combinaison des phrases qui font que, à un moment donné, vous allez vous dire ah, mais c'est génial, c'est exactement ce que j'ai envie. En télé-shopping, ils sont extraordinaires là-dessus. Alors, mais moi, je te jure, hein, j'adore le télé-shopping. C'est ridicule, hein, mais je suis fasciné par la structuration d'un comment on vend un balai qui est mouillé quand on passe au. Les mecs, ils sont excellents. C'est excellent. C'est simple de A à Z, comment c'est structuré. Tu passes un super moment d'un mec qui te vend un balai à laver le parquet. Et ça, il faut en tirer des leçons. Mais après, c'est des. Voilà, c'est des. Comment on appelle ça? Soit c'est dans ton ADN, soit c'est pas dans ton ADN. Soit tu te sens voilà, de faire un texte commercial, soit tu le sens moins. Mais si tu le sens, tu devrais t'y intéresser un peu plus. Parce que c'est une technique. C'est une technique qui s'apprend. Le copywriting, c'est pas juste. Ça s'apprend. Ça s'apprend, ouais. Ouais, ça s'apprend. Il faut avoir des exemples. Il faut. Faut qu'on vous ait montré des exemples audio, vidéo, faut qu'on vous ait donné des textes déjà qui avaient été utilisés. L'hypnose conversationnelle, par exemple, ça c'est vraiment très très puissant, l'hypnose conversationnelle. Alors, c'est pas l'hypnose comme on peut le voir dans les spectacles ou en hypnothérapie, c'est la façon d'entendre les choses aussi. Et ça, Barack Obama était vraiment ultra puissant avant d'être président pendant sa campagne électorale. Il utilisait de l'hypnose conversationnelle. Et quand on analyse ses discours, on s'aperçoit en détachant certains mots et en les rassemblant, arrive une phrase qui est une phrase « Faites en sorte que je devienne président », par exemple. Et simplement, l'oreille avait entendu les différents mots qui étaient répartis dans la phrase et le fait d'appuyer simplement la parole en laissant des blancs, en remontant sur d'autres termes, en minimisant simplement la voix sur certains, il arrivait à faire en sorte que les gens entendent « Faites en sorte que je devienne président ». C'est énorme. Et ouais, c'est fascinant. Hein, c'est fascinant. Et ça s'apprend. Ouais, ça s'apprend. Clairement. Clairement. Alors, les plateformes, est-ce que les plateformes sont payantes pour pouvoir déposer, pour pouvoir y mettre son profil? Par exemple, j'ai envie d'aller sur une plateforme ou sur plusieurs plateformes. Est-ce que, en général, le dépôt de son profil est gratuit ou est-ce que c'est payant? Le dépôt d'un profil, normalement, c'est gratuit. Ça dépend des plateformes, mais en règle générale, c'est rare de voir le dépôt d'un profil payant. Généralement, on te laisse créer ton profil. Et selon après la visibilité que tu veux avoir, on peut te faire payer. Tu veux être dans les top positions, si tu veux
C'est la première chose. Ouais, après, c'est tellement différent pour chaque, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est gratuit de créer un profil. Ça, pour apparaître, c'est gratuit. Après, on a différents cas où, par exemple, Superprof, qui est une plateforme généraliste, va te faire payer pour recevoir tes messages, mais c'est un abonnement annuel, je crois. J'allais parler de Star of Service, mais on ne parle pas. Oui, hein. Hein. Bon, alors. Et, de toute façon, si tu n'en parles pas, c'est moi qui vais en parler. Ok, après, ouais, on a des modèles différents qui sont un peu plus coûteux selon les cas, mais globalement, créer son profil, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Ouais, méfiez-vous quand même de certaines propositions. Moi, j'avais eu ça, quelqu'un m'avait contacté en pensant que j'étais que personal trainer. Et m'avait contacté en me disant, voilà, si tu as envie de trouver des clients, nous, on les trouve pour toi. Il suffit simplement que tu payes un droit chaque année qui est de 350 euros et on t'apporte des clients, tu vas largement couvrir les 350 euros que ça va te coûter à l'année. Et la personne, je lui dis, mais qu'est-ce qui garantit que je vais en avoir ou est-ce qu'il y a un minimum de garantie? Il y a quelque chose qui me montre que je vais avoir X clients ou proposer parce que là je veux bien m'engager avec vous là-dessus donc je jouais le jeu en fait hein, et je me mettais à la place d'un personal trainer unique, simplement quelqu'un qui faisait que du personal training et je leur dis ça vous dirait de montrer le contrat parce que si je vois pas le contrat moi je veux bien vous donner 350 euros si ça me ramène je sais pas 3 500 10 fois plus quoi, il n'y a aucun problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un investissement avec le retour sur investissement. Et la personne, je lui dis, envoyez-moi le contrat, puis je vais l'analyser. Elle me dit, non, c'est pas possible, c'est sur le site, il faut aller sur le site, et puis il faut accepter sur le site. Et je lui dis, mais comment je peux accepter quelque chose que je n'ai pas vu? Donc ça, toi, c'était pas très 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 cohérent, c'était pas très très logique. Donc ça, c'est première expérience. En plus, la personne m'avait dit, mais autour de chez vous, vous allez voir, vous allez trouver des personnes des CC, des CSPP, des CSP plus, et je peux CSP+. dire des catégories socio-professionnelles de haut niveau, des cadres supérieurs, des avocats en tant que clients. Et je lui dis, mais vous me garantissez ça? Elle me dit, ouais, de toute façon, dans les 10 km autour de chez vous, je suis persuadé que vous allez avoir plein de monde. Et mais le truc, le problème, c'est que j'habite dans un petit village entouré de champs et de forêts, et que dans les 10 km autour, il n'y a que des biches et des sangliers. C'est Alors, là. pour trouver un avocat, ça va être compliqué. Et la fille, je lui avais dit, et là, elle était, ouais, voilà, j'ai des clients potentiels à 30 km de chez moi. Elle avait lancé le truc comme ça, mais c'était pour me vendre son affaire. Donc, méfiez-vous des plateformes qui vont vous demander un droit d'entrée. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Et puis, méfiez-vous aussi de certaines plateformes qui vous demandent un montant pour vous mettre en relation avec des clients potentiels, des clients qui sont absolument pas sûrs. Parce que on a parlé de Star of Service, hein, faut y aller, hein, faut vraiment être honnête. Pendant un moment, je sais pas si c'est toujours la même chose, mais ils vous demandaient des crédits. Et si vous vouliez être en relation avec une des personnes qui avait demandé un devis, c'est-à-dire vraiment être en relation avec elle pour pouvoir échanger avec elle, eh bien en fait, il faut les payer X crédits. Donc, fallait débourser. Et beaucoup de coachs se sont plaints en disant que souvent, ce sont des clients, c'était des prospects qui n'étaient même pas qualifiés, qui n'avaient rien à voir avec le secteur d'activité, qui ne cherchaient même pas un coach sportif. Et alors, soit c'est l'algorithme qui faisait que ils mettaient pas en relation les bonnes personnes avec les bons besoins, et puis, ou alors pendant pas mal de temps, certains se sont demandé s'il n'y avait pas des faux profils de clients potentiels qui étaient là pour faire payer des crédits. Donc, ça décrédibilisait complètement au niveau des coachs sportifs cette plateforme qui était Star of Service, qui est quand même une start-up qui est énorme parce que ça a été créé enfin, avec l'aide de Oussama Hamar, ceux qui connaissent Oussama Hamar et de My Family. Ce qui est vraiment un mec qui est incroyable. Quoi. Si vous avez, à un moment donné, je fais une aparté, mais si vous allez voir des vidéos
de Oussama Hamar sur YouTube, vous allez voir que le mec, en fait, il est, mais c'est une tête incroyable et il vous apprend plein de choses. Méfiez-vous donc de ces plateformes qui soit vous font payer un droit d'entrée, soit vous demandent de payer pour vous mettre en relation avec des clients parce que vous n'avez aucune garantie. Attendez simplement d'être en relation avec le client. Au moment où le client a dit « Ok, on y va », que lui a réglé, là, vous êtes… effectivement, il y a échange monétaire, donc il y a une garantie. Dans les autres cas, vous prenez des risques. Et je connais des coachs qui m'en ont parlé, hein, pas forcément Star of Service, mais d'autres, hein, d'autres plateformes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit bah, « Finalement, ça ne m'a pas ramené grand-chose ». C'est intéressant que tu en parles pour deux choses. C'est vrai que, bon, bah, d'une part, ça, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. J'attends qu'il y ait la mise en relation qui soit faite, confirmée, pour demander un règlement. Ça, c'était pour que tout le monde comprenne, parce que j'ai souvent beaucoup de questions là-dessus. Et souvent, d'ailleurs, les coachs sont surpris. Non, mais ils cherchent, elle est où l'arnaque. Et c'est vrai que j'avais jamais tilté, mais c'est vrai que moi, je suis ancré dans ce qui se passait avant. Et c'est vrai que. Je pense que ce sont tous ces types de plateformes qui ont un peu terni l'image des plateformes. Et ça, c'est un gros problème. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce cas-là de mec qui me demande de payer 350 balles d'un coup, comme ça, et qui me garantit des clients. C'est des commerciaux, souvent. Donc, on voit qu'il y a une force de frappe qui est mise en place pour prendre de l'argent. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais même pas si tu vas avoir un client. Donc, si, pour rassurer les coachs, je pense que les plateformes qu'on voit le plus dans le milieu, en tout cas, hein, parce qu'il y a quand même un, on peut parler d'un milieu, hein, de la remise en forme, les plateformes qu'on voit le plus dans la remise en forme, je pense que c'est des plateformes, okay, bah, par exemple, sur le groupe, Christophe, sur le groupe L'Emploi Professionnel de la Forme, c'est quand même des plateformes auxquelles on peut faire confiance, que ce soit les plateformes ou les agences, en tout cas, tout est très clair. Il n'y a pas d'entourloupe. Après, pour les plateformes qui sont plutôt généralistes et surtout qui ont levé beaucoup d'argent, hein, là, on parle vraiment de plateformes qui ont levé des 10 millions, hein, eux, il y a un fonctionnement qui est différent. Et surtout, ce qui change beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de plateformes et d'agences où ceux qui sont à la tête, ce sont des coachs, des anciens coachs. Et ça, je pense que ça change quand même un peu le profil de la société et l'approche, quoi qu'il en soit, il y a un tarif moyen ou un tarif élevé, on dépassera pas cette limite de ce qui est possible à faire. Il y aura toujours quand même un minimum de respect. Chose que des fois, on retrouve pas, on voit très bien que ce qu'il faut chez ces plateformes, c'est quand même être rentable et prendre un maximum d'argent. En tout cas, quand tu as commercial, enfin, tu dis, hein, quand on vous demande de payer tout de suite, forcément, ça, on apprend ça aux enfants quand ils ont 15 ans. Hein. Si on vous demande tout de suite de l'argent, attention, hein, c'est qu'il y a une entourloupe. On ne paye pas pour voir, on n'est pas au poker. On ne paye pas pour voir. D'abord, vous voyez, et ensuite, vous payez. Moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai ce système-là, gagnant-gagnant, honnête. L'honnêteté, ça paye toujours. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner de conseils? Parce que sur une plateforme, il y a quand même il y a du monde. Hein. Des fois, il y a quand même pas mal de coachs qui sont généralisés. Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour pouvoir sortir du lot? Bah, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Si tu veux, c'est vraiment… C'est vrai que souvent, on me dit, ouais, on me reproche un peu. Bon, déjà, il y a deux choses, hein, à prendre en compte. C'est que, bah, on est de plus en plus de coachs dans le milieu, dans les informes, d'une façon générale, même s'il y a une croissance aussi de la demande. Hein, donc, normalement, ça devrait aussi s'équilibrer. Mais il y a souvent que très peu, c'est tout sur ce 80-20, il y a souvent très peu qui prend beaucoup. Il faut se poser la question, hein, loi de Pareto, pourquoi ce 20 prend. Le plus gros du gâteau. Et pour moi, et de toute façon, on le voit, hein, je me balade, je vois les profils, et souvent, je me dis, mais comment on peut proposer ça? Autant ne pas s'inscrire, les mecs et les nanas. Autant ne faites pas de profil, hein, si c'est pour faire un profil aussi pourri, c'est pas la peine, parce qu'on ne va pas vous appeler.
Le client, il va voir ça, mais comment on peut présenter une photo comme ça? Comment on peut écrire un texte aussi bâclé? Aujourd'hui, on a des correcteurs. Moi, je suis pas un, moi, l'orthographe, franchement, je m'en fous, mais complètement. Je suis pas du tout un mec comme ça. Moi, quelqu'un qui m'écrit un truc ou qui poste un truc sur Facebook avec des fautes d'orthographe, moi, je suis pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Mais là, vous vous adressez à des clients, vous connaissez pas leur éducation. Il y en a. Moi, j'en connais même des amis à moi qui ont des entreprises, qui reçoivent des CV. Il y a une faute d'orthographe, ils vous prennent pas. C'est radical. Ils ont été éduqués comme ça. Pour eux, ça démontre que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Donc, Des exemples. attention. Pour moi, autour de moi? Des exemples de coachs qui quelque part, parfois, mettent pas forcément les bonnes photos ou des anecdotes, des trucs qui sont un peu rigolos. Des anecdotes, non, non, non. Et puis, ça serait malvenu de te montrer ce que j'ai en boutique. Mais Non. non, on fera pas ça, ce n'est pas le sujet. Je franchirai pas ces limites-là. Mais en tout cas, il y en a, et beaucoup. Et ça, c'est pas normal. Et je vais vous dire deux choses. D'une part, je vous dis même trois choses. D'une part, c'est votre image que vous détériorez sur le net. D'autre part, vous avez très peu de chances d'être contacté, donc vous perdez du temps à vous créer un profil pour lequel vous n'allez pas être contacté. Donc à quoi ça sert? Laissez la place aux autres, hein, ceux qui vont vraiment. Et la troisième chose, c'est que vous détériorez l'image du milieu. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'on a tous notre responsabilité sur l'image du milieu. Et ça, je le dis souvent aux coachs avec qui je discute, c'est oui, le milieu de la mise en forme, et le milieu de la mise en forme, c'est nous. Faut arrêter de dire le milieu de la mise en forme, machin, c'est. On a tous notre responsabilité dans le milieu de la mise en forme et son image. Et sur des petites choses comme ça, par exemple, ça contribue. Moi, un client, quand il va sur ma plateforme et qu'il voit des trucs qui ne sont pas machin, bah, il peut. Là, c'est moi, quand je vais choisir un coiffeur ou un bricoleur sur une plateforme, bah, et que je vois des beaux profils et tout, bah, ça valorise sa plateforme, mais ça valorise aussi son métier. On se dit, tiens, dans son métier, il n'y a pas de rigolo. Les mecs. Et le niveau, il est quand même élevé. Et on est en France, quoi. Je veux dire, on est quand même un pays super développé. On devrait montrer, alors peut-être pas montrer l'exemple, mais on devrait quand même avoir un niveau assez élevé. Si, mais pourquoi pas montrer l'exemple aussi aux autres pays? Pourquoi pas être aussi avant-gardiste alors que c'est pas vraiment le cas, je pense. Je pense qu'on a pas mal de retard sur pas mal de choses et que ça se voit sur, rien que si on prend l'exemple des plateformes, ça se voit. Comment on peut prendre autant à la légère le fait de rendre public son profil, comment on peut le prendre autant à la légère. Une photo, ça doit être nickel. Une photo, c'est super propre, c'est pas dur. C'est pas dur de où tu demandes à quelqu'un qui est autour de toi, tiens, prends-moi une photo. Moi, je me rappelle, j'avais demandé et tout, voilà, machin. Et après, j'en avais remis d'autres, toujours avec l'idée de l'optimiser. Pareil pour le texte. Super texte, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Copywriting ou langage sincère, mais quelque chose qui a été réfléchi. Si on balance trois trucs pour faire plaisir à la plateforme, oui, il m'a demandé de faire 50 caractères, donc je lui ai écrit. Mais c'est pas ça l'idée de mettre 50 caractères. L'idée de, ou 100 caractères, l'idée quand on veut un nombre de caractères obligatoire, c'est d'avoir un contenu qui soit riche. C'est que quand le client il vienne, il sait à qui, il sache à qui il a affaire. C'est ça l'idée. Et pour ça, ça demande vraiment de l'envie et de là aussi de prendre conscience de l'impact que ça a. Donc, comme je vous ai dit, double impact. Vous valorisez votre profil sur le web, mais vous valorisez le milieu. Et je pense que vraiment, on n'a pas assez conscience de l'impact individuel sur un collectif. Ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage. Je sais pas comment vous, si aujourd'hui, puisque bon, moi, je suis plus en formation à. J'ai fait ma formation il y a 10 ans, donc je sais pas ce qui se fait, mais je sais pas si on sensibilise par rapport à ça, par rapport à que individuellement, on représente le milieu de la mise en forme. Ça, c'est vraiment important de se le dire. Voilà. Si tu veux, durant la formation, les formateurs, quand ils passent un message, le message est entendu, mais s'il n'est pas répété régulièrement, il n'est pas intégré, bien évidemment. On se retrouve avec des étudiants qui partent parfois en ayant entendu le message, mais intégré ce message. Ce qui fait qu'au plus profond d'eux, dans leur ADN,
Il n'y a plus ça. C'est un peu comme un parent qui va dire ouais, il faut que tu dises merci. Et puis quand tu te barres, quand tu t'en vas de chez tes parents, tu ne dis plus merci. C'est un peu un truc comme ça, tu vois, qu'on peut retrouver une situation. Ajouter au fait que c'est vrai que quand on analyse le profil d'un coach, c'est aussi un petit peu un individualiste. C'est mon avis, c'est ce que moi j'ai pu analyser. Il y a quand même une forme d'un petit peu d'arrogance, de prétention chez le coach qui lui met une œillère sur ce que peut représenter un ensemble. Et malheureusement, on est un ensemble. Et ça, on s'en rend compte après peut-être, hein, quand on commence depuis un moment dans le milieu, que on représente une masse et qu'on est tous ensemble, qu'on le veuille ou non, on est tous ensemble et que on sera tous ensemble. Est-ce que d'après toi, on peut vivre exclusivement avec les plateformes, les agences? Est-ce qu'on peut en tirer un revenu qui est un revenu qui perd simplement avec les agences et les plateformes? Ouais, c'est une super question que tu poses, Christophe, que je pense beaucoup de coachs se posent. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un salaire décent que sur les plateformes? Moi, à mon sens, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit suffisant pour deux choses. D'une, à cause de la croissance du nombre de coachs. C'est surtout pour ça, c'est même pas en train de voter en deux choses. Comme je suis trop fan des points et des trois points. Là, c'est que vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux par plateforme. Et donc, non, l'idée, c'est de se dire, très honnêtement, mais je vous dis très sincèrement, je ne vais pas vous vendre une chose qui est fausse. C'est de se dire, je m'inscris là. Et si j'ai deux clients par an, même trois, eh ben, c'est quand même peut-être 5000 euros. Et 5000 euros, c'est 500 euros par mois. Parce que ça, plus ça, plus ça, eh ben, ça va me faire beaucoup à la fin. D'accord? Il y a des coachs qui vont mieux s'en sortir, hein, qui vont faire un client par mois. J'en ai, ils tournent super bien. J'en ai qui tournent un peu moins bien. Ça va dépendre de la ville aussi. Selon la ville où vous allez être, il va y avoir… Moi, je suis à Saint-Germain-en-Laye. Je suis au Vésinet, je suis à Croissy-sur-Seine. On est dans des villes avec des pouvoirs d'achat qui parfois n'ont pas de limite. Donc forcément, y a plus de demandes. Quand on prend d'autres villes, je ne pense pas qu'à Clichy ou à Montfermeil ou à Saint-Denis, pour ne pas les citer, hein, moi, je pense pas qu'il y ait autant de demandes. Donc il y a ces deux aspects finalement qui jouent, hein, le nombre et le secteur, qui font que qui me font vous dire en tout cas que c'est difficile de se dire je vais faire mon salaire qu'avec les plateformes. En revanche, ça me fait rebondir dessus, c'est qu'on peut se faire un salaire en personal trainer en étant sur les plateformes, mais aussi en étant sur le net avec une fiche My Business. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas une fiche My Business, Google, oui, c'est une fiche Google My Business. Quand vous tapez sur Internet coach sportif et le nom de votre ville, vous avez donc la structuration de la page, elle est faite en trois, enfin maintenant en quatre, hein. Mais on va rester sur trois pour rester simple. Les résultats payants, qu'on appelle l'AdWords, c'est les résultats payants, c'est on paye. Là, qui paye, c'est leur stratégie, par exemple de coaching, training, sport paye pour être sur les premiers. Ça leur permet d'attirer énormément de clients avec beaucoup de déchets, mais ils ont la capacité de le trier, de déchets entre guillemets, hein, j'entends. J'entends. Ce que je dis. Ensuite, vous avez les résultats locaux. Et ça, c'est là que les fiches My Business apparaissent. Les résultats locaux, c'est votre nom, votre prénom et les petites étoiles. Hein, là, on ne peut pas le montrer, mais je vous invite à le faire. Vous faites à côté, vous allez voir. Vous tapez coach sportif le nom de votre ville, vous avez les résultats payants, les résultats locaux et ensuite les résultats naturels. Même si là, ils ont rajouté des petites photos pour écraser encore plus les résultats naturels. C'est vrai que Google, son but, c'est de faire de l'argent. C'est que tout le monde paye, hein, au final. Donc, le but, c'est que les résultats naturels, au bout d'un moment, n'apparaissent plus. C'est sur une autre discussion. Donc, payant, local, naturel. Vous, votre but, c'est d'être sur les payants au travers des inscriptions sur les plateformes, sur les locaux en ayant une fiche My Business et sur les référencements naturels, encore une fois, en étant
sur les plateformes et les agences qui ont d'autres stratégies. Moi, ma stratégie, c'est le référencement naturel, donc vous me trouverez sur le référencement naturel. Une fiche My Business, c'est un outil énorme. C'est un super outil, une fiche My Business. Hein. C'est vraiment, c'est pas rien. C'est une fiche qui s'optimise. C'est pas un truc qu'on met son nom, sa pratique, et après on attend que ça se passe. Ça s'optimise. Donc, pour ça, pour ceux vraiment qui souhaitent avoir plus d'informations là-dessus, contactez-moi. Je vous donnerai plus d'informations sur comment être hyper, hyper présent sur Internet et comment optimiser sa fiche My Business. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous aiderai à la faire. Vous me contactez en privé, je vous expliquerai comment ça se passe. Mais moi, ça, c'est ce qui me rapporte 80% de ma clientèle. Même 100% aujourd'hui, parce que je suis, on va dire 80% parce que j'en ai même qui me contactent à partir de ma plateforme où je suis référencé, ça c'est rigolo. My Business, c'est l'outil que tous les coachs doivent avoir. Vous avez la possibilité d'avoir vos avis dessus, vous mettez vos photos, votre périmètre, et après, bien sûr, encore, c'est toujours une bataille. Il y a encore une bataille qui se fait avec les meilleurs, avec les coachs qui ont le plus compris comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas forcément les meilleurs. Encore une fois, même avoir. Moi, j'ai 70 avis sur ma fiche, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur. Ça veut dire que j'ai compris comment fonctionnait l'algorithme. Mmh. Et ça, c'est ça qui fait la différence avec les autres coachs qui n'ont pas d'avis et qui peut-être se disent comment il fait, machin, ouais, ou des clients qui pensent. Alors, je suis bon dans ce que je fais, j'ai pas de prétention à le dire. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur. Donc, ça, il faut bien en avoir conscience. Ça veut dire que j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, ayez bien ça en tête. Fiche My Business, c'est un super outil. Super. Donc, là j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Ouais. C'est la première, c'est comment sur ta plateforme tu garantis ou tu es sûr que les coachs qui viennent s'inscrire, parce qu'en ce moment, là, il y a quand même un. Il y a, depuis un certain temps, mais là, ça monte vraiment en flèche en ce moment, oui, par rapport au coaching sauvage. Comment vous faites avec votre équipe pour être sûr qu'ils soient diplômés, qu'ils soient d'amis? Ben, je vais te dire, hein. Tu sais, moi, je reçois des inspections du travail, hein, qui me contrôlent. J'ai l'inspection du travail qui me dit sur ce département-là, comment vous, est-ce que, on vous suspecte de ne pas avoir tout le monde mis en diplômé. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, pour créer un profil, tout le monde peut le créer. J'ai pas l'obligation de mettre que des coachs forcément qui soient diplômés du BPHGFE, parce qu'un coach de boxe, il peut très bien se référencer, un prof d'athlétisme, peu importe. Avant chaque mise en relation, je vais toujours demander la carte pro. Donc, ayez votre carte pro prête avec vous à envoyer pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec moi, parce que ça va être demandé obligatoirement. Autant au début, on était à la dilettante, autant aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une politique dessus qui nous oblige à tout contrôler. Donc moi, je contrôle tout. Tous ceux qui travaillent avec moi, ils te le diront, avant de mettre en relation, demande la carte pro. Donc ça, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Ça peut des fois me faire perdre un client, parce que le mec me dit, non, mais elle est en train de faire, ou la personne me dit, ouais, elle est en train de... Mais malheureusement, je ne peux pas prendre ce risque, parce que je vais vous dire une chose. Isouette et Tatillon, si jamais... Il y a un problème, par exemple, la personne, vous lui dites de faire un mouvement, elle trébuche, elle se tape la tête contre l'escalier, elle décède. Bah, effectivement, c'est pas elle qui va porter plainte, c'est son mari ou la femme va porter plainte. Bon, il va y avoir devant le tribunal ou même les assurances, bon, vont venir vous voir vous, bon, insolvable. Ils vont remonter, il va falloir que quelqu'un paye, et donc moi, ils vont m'appeler. Est-ce que vous avez contrôlé? Est-ce que vous avez... Et c'est là que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Faut être bien. Même si légalement, je pourrais et encore, j'ai des avocats qui m'ont bien dit que de toute façon, on va venir vous chercher parce qu'il va falloir que quelqu'un paye. Donc si le coach n'a pas de responsabilité civile ou s'il n'avait pas de carte pro, on va me demander pourquoi moi j'ai mis en relation des personnes auxquelles je n'ai pas contrôlé. Donc ma responsabilité dans tous les cas va être engagée. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut votre carte pro. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui n'en ont pas fait la demande, faites la demande, c'est obligatoire.
Oui, certains peuvent penser que le diplôme suffit, mais c'est faux. En fait, le diplôme, ce n'est qu'un morceau de papier. Et entre le moment où vous avez eu votre diplôme, où vous étiez dans les clous parce que vous aviez eu votre diplôme, et plusieurs années après, il se peut très très bien que vous soyez dans l'illégalité d'enseigner contre rémunération, hein, parce qu'il faut se souvenir que notamment, vous devez avoir un casier judiciaire qui est exempt de certaines condamnations. Et que si entre le moment où vous avez passé votre diplôme et le moment où vous avez eu votre carte, eh ben, il s'est passé, vous avez fait par exemple des bêtises qui ont fait que votre casier judiciaire a été avec des petits timbres supplémentaires pour dire que vous avez eu telle et telle condamnation qui vous empêche de pouvoir enseigner contre rémunération, ben, vous ne pourrez pas avoir votre carte pro. Donc c'est pour ça qu'on demande la carte pro. Mais on ne demande pas forcément le diplôme. Parce que de toute façon, la carte pro, on peut l'avoir que si on a eu le diplôme. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous ayez votre carte pro, parce que c'est un gage, et c'est pour ça qu'on vous la demande, c'est une garantie comme quoi vous avez encore, depuis que vous avez passé votre diplôme, la possibilité de pouvoir enseigner contre rémunération. Et puis, la deuxième question que je voulais te poser, c'est quelles sont les fourchettes de tarifs qui sont demandés en général sur ta plateforme ou sur les plateformes en général, c'est combien les fourchettes qui sont demandées, tu veux dire quand tu factures qui? Le client ou le coach? Ce que le coach récupère à la fin. Ah bah moi, il récupère tout. Hein. Moi, c'est simple. Hein. T'as des stats? Il y a des montants, t'as des fourchettes, des... Alors, tu veux savoir combien le coach récupère comme montant après son coaching? Oui, enfin, en moyenne, combien est-ce qui est proposé sur les plateformes? Ah, d'accord, tu veux donc savoir le tarif moyen horaire? Ouais. Alors, selon les régions, en Ile-de-France, on est à peu près à 50-60 euros avec une tendance à la hausse quand même qui se rapproche plus des 60 euros. Et en province, on va être 40-50 euros. Plutôt 40-50 euros. On peut, voilà, globalement. Mais c'est intéressant de noter. Oui. C'est intéressant parce que il y a des coachs qui parfois n'ont pas conscience, n'ont pas de référence et n'ont pas conscience de la valeur du personal training. Donc ils ont souvent à réduire leurs tarifs en disant j'aurai plus de clients. C'est une erreur. C'est une erreur, mais. On a une référence et c'est cool d'avoir cette référence-là qui nous a donné. Bien sûr. Ouais. Et c'est intéressant de voir que les tarifs, je trouve qu'ils sont en train de se lisser sur un tarif moyen à 60 euros. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. On est en Ile-de-France en tout cas. Après, alors, bien sûr, on va monter dans certains secteurs. Mais par exemple, moi, si je prends le cas des Yvelines où je suis, et même j'ai le sentiment que demander, après c'est un sentiment, c'est toujours pareil, hein. Ça peut être psychologique. Hein. Mais je pense qu'on est quand même sur un plafond. Dépasser 70 euros pourrait être compliqué, je pense. C'est un avis, hein, tu connais. Hein, tu sais comment ça fonctionne, hein, ça peut être vraiment dans ma tête, mais je pense qu'on est forcément moins de. Après, c'est le choix de la quantité par rapport à. Moi, j'ai un coach que je connais bien qui vend 100 euros. Hein. Il n'a pas beaucoup de clients, mais il en a. Donc, c'est que ça se trouve. Hein. Donc, s'il fait une heure, il y a un autre coach qui fait 2 heures à 50. Et ce qui facilite, c'est le crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'après, comment tu le vends? Lui, il le vend, il dit, attendez, vous allez avoir la moitié de défiscaliser. Donc, ça vous revient à 50 euros. Si tenter que son client n'ait pas pris le temps d'aller voir ce qui se fait, Ce qui arrive souvent, il faut bien se dire aussi que ça va très vite. Hein. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où tout va très vite. Il y en a qui n'ont pas le temps d'aller chercher. Hein. Moi, quand j'ai un client qui me contacte, j'ai cherché, je vous ai trouvé, je vous appelle. Il y en a qui vont faire leur recherche, qui veulent le coach, qui veulent être sûrs, qui ont besoin de se rassurer. Mais il y a des profils qui veulent que ça aille très, très vite. Donc, il dit, ouais, c'est combien? 70? D'accord, c'est bon, je les ai. Combien de temps ça dure? Forfait, non, c'est à l'heure, au mois, mensuel, ok, d'accord, c'est bon. Ça va très très vite, donc libre à vous de choisir. Après, honnêtement,
descendre en dessous de 50 euros, ça me paraît quand même dévalorisant pour l'ensemble. Hein. Encore une fois, la vision collective, moi, je trouve qu'elle l'emporte. Quand vous proposez moins de 50 euros, vous enlevez vos charges. 27 euros pour ceux qui sont en auto, plus de 30 euros pour ceux qui... Enfin, 30%, 27%, pardon. Pour ceux qui sont en auto et 30% pour, et plus pour ceux qui sont en... c'est ça, c'est 30% quand on est en... Déclaration contrôlée. Déclaration contrôlée, ouais. Donc, il ne reste pas grand-chose. Hein. Donc, 60 euros, je trouve que c'est un prix qui est vachement intéressant parce qu'il vous permet, avec pas énormément de clients, d'avoir un salaire vraiment décent. Après, voilà, là, on rentre dans le perso, là. Ok. Bon, non, au moins, c'est cool parce qu'il y a des fourchettes, là. Il y a de la data. Et ce que je trouve intéressant dans cette data, comme je te dis, c'est la tendance haussière. Et la tendance haussière, c'est pas anodin. Ça montre qu'il y a un travail quand même qui est fait de toi, d'autres, qui commence à produire ses effets et qui est très positif pour le futur du milieu. Ça, je pense que c'est intéressant, la prise de conscience des coachs, qu'un tarif, c'est temps. Il n'y a pas, c'est même pas parce que je commence ou que je vois que je dois faire un tarif, c'est temps. Ça vaut tant mon travail parce que ça apporte telle valeur. C'est vraiment intéressant de le voir. Avant, on pouvait voir des tarifs vraiment, même moi quand j'ai commencé aussi, hein, il n'y avait pas de grille. Donc, on le faisait par rapport à ce qu'on pensait. Et ça, c'est super dangereux parce qu'on venait des milliers de boulots où tu étais payé à l'heure. Jamais tu aurais été 60 de l'heure. C'est juste crazy, quoi. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience et ça, c'est intéressant. C'est bien pour tout le monde que tout le monde puisse se dire, bah, grâce à mon activité qui aide les autres, et ben je vais pouvoir aussi vivre dans l'abondance, dans et manquer de rien. Ça, c'est pas anodin. On apporte du bien aux autres, et ben nous en contrepartie, ben notre vie elle est géniale. Alors il n'y a pas que l'argent, mais bon, comme on dit, hein, ça y contribue beaucoup. Eh oui. Alors une dernière question. Au soleil, il est 22h12. Ouais. Il doit être à peu près 22h12 au soleil. Dernière question. Allez. Est-ce que selon toi, il est intéressant de s'inscrire sur plusieurs plateformes ou plusieurs agences, de vraiment se placer un peu partout pour favoriser peut-être ses revenus ou les chances d'avoir des clients? C'est obligatoire. Il faut aujourd'hui, moi comme je vous dis, je le répète, hyper présence. Gardez ça à l'esprit. Soyez hyper présent. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je vais le proposer. Ça, vous pouvez me contacter. Je vais me proposer des petites formules qui vont vous permettre d'être référencés partout avec des super textes. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, je vais vous aider à optimiser votre profil My Business. Contactez-moi en privé, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mm-hmm. Il faut le faire parce que, comme je vous dis, même si c'est un client, même si c'est deux, moi, il y a des clients que j'ai depuis 5 ans. Si je fais la masse, la quantité du montant qui m'ont permis de bénéficier, et puis moi aussi le bien-être que je leur apporte, hein, en contrepartie, mais c'est des montants qui sont énormes. Donc, ne négligez pas ça. Hyper présence, il faut être partout aujourd'hui. On est dans le monde du digital. Le monde du digital, c'est Internet. Donc, c'est Facebook, OK, Instagram, Google. Je sais que Google, ça peut paraître un peu flou, un peu trop… Il y a tellement de quantité de choses que ça peut paraître obsolète du fait de la quantité. Mais c'est un potentiel financier énorme. Donc, plateforme Google, Google au travers des plateformes, Pitch My Business, après Facebook, Facebook, faut être sur les groupes, faut aussi son profil qui soit optimisé parce que, aussi une chose qu'on peut rajouter, c'est que aujourd'hui, on se fait tous googliser. C'est-à-dire que quand votre client, quand il rentre en contact avec vous, il va vous googliser aussi. Il va taper votre nom, votre prénom, et puis il va voir ce qui sort. Mais ça, vous ne le savez pas, ce qu'il l'a fait avant. Moi-même, quand j'ai un client, ça peut m'arriver aussi, comme ça par curiosité. Et puis je vois, ouais, tiens, lui, il a fait ça et tout. Et puis je vois, tiens, il est passé dans BFM Business. Ça arrive tout le temps.
Et donc ça, faut en avoir conscience. Et il peut le faire aussi sur Facebook. Et là, il va voir un profil. S'il voit un profil casquette de travers avec ses potes, ou alors je suis en boîte ou machin, dire, on pourrait dénuder. Ça, c'est. Mais ça, le problème, c'est que ça arrive encore. Et ça, c'est pas, on va pas le. Le but, c'est pas de montrer du doigt. Même quand j'ai commencé aussi, j'ai eu du mal à me décrocher de mon image, de me créer un personnage public. Parce que c'est ça l'idée, c'est de se créer un personnage public. Et moi, je crois que mélanger ces deux profils, ça, c'est vraiment un truc très, très, très dangereux. Il y en a qui mélangent leurs deux profils. Quand on a un métier comme ça, on va devoir quand on a un métier comme ça, on va avoir besoin du public, on va devoir se mettre en. À nu un petit peu, enfin en tout cas on va devoir se mettre en avant. Il faut avoir travaillé une sorte de personnage. Et ce personnage-là, il va se faire au travers d'un profil. Ça, moi mon profil c'est Flavien Chauvin Pro. Tu verras pas mon profil Flavien Chauvin, tu auras rien sur moi en perso. Tu sais pas qui je suis. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi j'ai envie de te montrer. Ce que j'ai envie de te montrer, c'est que je suis coach sportif, que je suis fondateur d'une agence, que je suis un type sérieux, que je. Voilà, c'est ça l'idée. Ayez bien ça en tête parce qu'un client, c'est ça qu'il va voir de vous. Il ne va pas voir de vous ce que vous pensez qu'il a vu. Parce que souvent, ce que vous pensez qu'il a vu, c'est qu'il ne vous connaît pas et que vous allez pouvoir lui montrer des choses. Et ça c'est faux de le penser aujourd'hui à l'heure du digital. Croyez-moi que. Et la deuxième chose aussi, c'est que ça rassure. Et un client, il a besoin d'être rassuré aussi. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas l'habitude hein, de trouver quelqu'un comme ça. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'avis. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'avis sur Internet et qu'il trouve. Des choses sur vous, ils voient que vous êtes référencé sur plein de plateformes parce que il faut savoir que quand on tape votre nom, essayez, tapez Flavien Chauvin si vous voulez par exemple, vous allez voir toutes les plateformes sur lesquelles je suis inscrite. Et ça rassure, on se dit tiens lui je suis sûr qu'il est coach. Lui, il est partout. Ça j'aime bien moi quand je cherche quelqu'un que je vois, ah ben voilà, ça je sais bien que c'est son métier. Ça me rassure parce que d'autres personnes l'ont vu, donc c'est vraiment important. Et voilà. Oui, bah oui, c'est clair. C'est clair. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, dans tous les cas, effectivement, vous allez chez les particuliers, il faut, enfin, eux se sont renseignés déjà au préalable, parce qu'il pourrait y avoir des abus. J'en ai jamais entendu parler, mais ça pourrait très, très bien arriver, hein, bien évidemment. Bon, bah, en tout cas, c'est vrai. On a fait le tour. Je crois que là, on a un secret pour les plateformes. Attends, juste finis sur un truc. Juste parce que ça me fait penser, moi, je me rappelle, des amis à moi, ils me disaient, mais t'as pas peur quand tu vas chez des clients? Et moi, je leur disais, mais c'est eux qui doivent avoir peur. Et ça, je trouve que cette réflexion-là, eh ben, elle m'aide à me dire que c'est à moi de les rassurer. Et c'est au travers d'actions comme ça qu'on va les rassurer. Parce qu'eux vont vous googliser pour se rassurer, parce que c'est eux qui ont le plus à avoir peur. Hein? Voilà, parce qu'ils font rentrer quelqu'un chez eux qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont besoin d'être. Retirez toutes les photos, vous êtes dans le marbre numérique maintenant, vous êtes ancré dans le marbre numérique et on a beaucoup à dire. Et la e-réputation, c'est-à-dire la réputation sur Internet, elle peut vous faire défaut. La e-réputation. Faites gaffe parce que ça peut vous porter préjudice. Donc, retirez peut-être tout ce qui n'est pas forcément très, très glorieux dans votre vie d'avant. et puis essayez de nettoyer tout ça parce que c'est quand même assez important. Vous tapez, vous googlisez votre propre nom et vous allez voir. Absolument. Quand je googlise Christophe Batz, j'ai en fait, j'ai des trucs qui arrivent sur moi. Puis après, j'ai des articles sur les chauves-souris. Eh mince, ben voilà. Parce que Batz, c'est chauves-souris au pluriel. Donc, j'ai là, le client, ce type. Christopher, c'est le mec qui a écrit l'article, Christopher, et puis à un moment donné, dans une phrase, il y a marqué Batz, et donc Google a fait le lien entre Christopher Batz, et je suis considéré comme une chauve-souris. Et voilà, c'est tout simplement parce que le chauve-souris. Google a encore du progrès à faire, mais il en fait. C'était excellent. Bon, en tout cas, merci Flavien. Alors, on fait un résumé rapide, et puis après, on vous laisse. Tous parce que vous avez plein de choses à faire, surtout à vous reposer pour cette reprise de l'après-confinement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, un, il faut que vous soyez hyper présent sur Internet, hyper visible. Deux, que vous disiez qu'il est important, à un moment donné,
de passer, si vous faites du cours collectif, à du personal training et de vous lancer, et ce n'est pas évident, il faut quelque part que vous investissiez sur vous-même, ce que disait Flavien tout à l'heure, en vous, vous inscrivant sur des formations, par exemple, qui vous apprennent à vendre, qui vous apprennent à capter du client, qui vous apprennent à faire une grille tarifaire, de façon à pouvoir être à l'aise avec ce nouveau costume qui est un costume de vendeur, alors qu'avant, c'était les clubs qui vous apportaient ses propres clients. Donc, c'était complètement différent. La démarche n'était pas la même. Et vendre, ça s'apprend. Et puis, utiliser les plateformes et les agences, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des opportunités pour combler peut-être les pertes que vous allez avoir avec les clubs qui, pour l'instant, ne sont pas ouverts. Donc, c'est un super truc, les plateformes, les agences. Et Flavien, tu n'aurais pas la possibilité, par exemple, parce que toi, tu as quand même de l'expérience sur tout ce domaine, est-ce que tu n'aurais pas la possibilité d'accompagner les coachs pour facilement s'inscrire sur les bonnes plateformes, avoir Google My Business, enfin, tout ce que tu nous as… Il n'y a pas une solution comme ça que tu pourrais proposer? Même si c'est clairement, j'ai pensé là depuis quelques jours et là je vais le mettre en place. Donc tous les coachs qui ont envie de se faire accompagner sur être hyper présent, je vais proposer un petit forfait qui sera pas excessif où moi je vais m'occuper de référencer les coachs qui ont envie d'être référencés partout avec des profils optimisés, d'avoir une fiche My Business optimisée. Je vais proposer ce petit ce chose qui va leur rapporter vraisemblablement sans doute beaucoup. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça, contactez-moi, j'ai quelque chose pour vous qui va vous aider. C'est génial, c'est super, parce que c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude et puis on perd du temps à aller chercher à droite à gauche et on sait pas où les pieds. Donc franchement c'est un super truc. Merci coach, ça c'est au top. Écoutez, on va vous laisser. On remercie Flavien qui était encore un intervenant excellent avec beaucoup de valeur ajoutée sur ce webinaire, neuvième webinaire. Et on se retrouve la semaine prochaine, les amis, avec trois petits génies qui sont des génies de la digitalisation et qui connaissent très très bien les coachs sportifs et tout ce qui est digitalisation. Vous allez en apprendre plein, parce que c'est aussi une autre façon de pouvoir vous développer dans ce contexte qui est un contexte pas forcément toujours évident. Donc la semaine prochaine, c'est rendez-vous avec trois génies de la digitalisation. En tout cas, Flavien, merci infiniment. J'espère qu'on va te retrouver très très bientôt. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui vont voir la vidéo. Pour finir, deux mots: hyper présence, formation, et puis désir de réussir, et puis ça va fonctionner. Voilà sur quoi je vais finir. Encore plein de clés pour pouvoir vous en sortir. Ça, c'est vraiment génial. Super. Merci à tous. Merci Flavien. Très très bonne soirée. On se retrouve en replay, bien évidemment, demain matin. Et puis sur la chaîne YouTube Christophe Bat Formation. Et puis Flavien, que vous retrouvez sur My Coach Company. Bien évidemment, on vous mettra les liens directement en commentaire de la vidéo sur YouTube. Vous aurez tout. Même, est-ce qu'on peut mettre ton contact mail? Oui, exactement. Mets mon contact mail, comme ça ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans l'hyperprésence, qui ont besoin de se faire une fiche My Business optimisée, me contactent, tu mets mon mail et puis je leur expliquerai comment je fonctionne. T'es génial, c'est super. Merci. C'est top. Merci à tous, à très très vite. On se retrouve. Salut.